se voici depuis Aix-les-Bains en Savoie, Interdit le 97. Bienvenue sur TF1 avec un match qui opposera donc Aix-les-Bains, la ville qui reçoit bonsoir, à Bellegarde, défendu par Thierry Roland. Thierry, bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Pierre. Bellegarde sur Valserine, c'est l'outsider. 25 000 habitants à Aix-les-Bains, 12 000 seulement à Bellegarde sur Valserine. On va vendre chèrement notre peau, Jean-Pierre. Eh bien, pour savoir qui de l'un ou de l'autre va l'emporter, pour savoir qui de l'un ou de l'autre peut prétendre à la finale, tout de suite un coup d'œil sur les scores qui sont à battre. Souvenez-vous, la semaine dernière, les deux villes Nice et Menton étaient à égalité. Mais regardez, le Puy du Fou, 22 points. Menton-Nice, 14. Pays d'Ancy, 12. Donc, il faut avoir ces chiffres en tête pour essayer d'être en finale au début du mois de septembre. Nous saluons, bien entendu, c'est une tradition, les supermarchés Stock, fidèles partenaires avec lesquels nous allons soutenir l'association Pas d'enfance en vacances lors du jeu du défi. Et rendez-vous en cours d'émission pour gagner 60 000 francs si votre date de naissance sort, bien entendu, avec le magazine Télé Loisirs. Jean-Pierre. Oui, Thierry. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les couleurs de Bellegarde sur Valserine, c'est les couleurs du Brésil, 4 fois champion du monde de football. Thierry. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu, mais nous n'avons pas besoin de partir pour le Brésil pour prétendre à la victoire, car nous serons ce soir les plus forts. On va voir ça, Jean-Pierre. Oh, maire. N'est-ce pas, monsieur le maire? Premier jeu, premier rendez-vous, Thierry. Vous savez que, mesdames, messieurs, cette semaine, nous nous sommes fâchés avec Thierry Roland et que nous ne nous parlons plus depuis 72 heures. Thierry, à vous. Oui, d'accord. Bon, Jean-Pierre, le premier jeu, on va demander des c'est renseignements. C'est une très bonne idée de commencer par le premier Nathalie, jeu. Félicitations. Balnéothérapie à la Maison du Lac. C'est-à-dire, Nathalie. Oui. C'est-à-dire que, regardez, je suis déguisée. Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis bonsoir, déguisée Nathalie. En truite qui représente la ville de Bellegarde. Et puis, les poissons, les autres poissons qui sont là, ce sont des sinus qui représentent, eux, la ville d'Aix-les-Bains. Il y en a 5 pour chaque ville qui sont de l'autre côté de la Reine. Au top départ, ils s'élancent à 2 dans la nasse. Dans la nasse à poissons ici, quand ils sont au-dessus de la Reine, comme ça, ils doivent descendre. Alors là, je ne sais pas si je vais y arriver. Mais avec cette si, chose mais sur si, la mais tête. Mais si, bien sûr. Le long, Olivier, t'es où? Bah de, en dessous, hein. Le long non, mais... de la corde à nœud. Oh là là. Voilà. Et le, voilà. Le B devant, ça veut dire quoi? Ça veut dire beautiful, Olivier. Ah, j'ai eu peur, ça veut dire... Non, non. Bonbon. Beautiful bonbon. Lady. Attends, elle est solide, voilà. Nathalie. Bien, lâche. Lâche, oh là là. Lâche, c'est bon. Oh là là. Il est où? Oh là 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 là. Ça y est, j'ai la truite. Ici. Là. Ici, tout de suite, direction l'aquarium, le mini-aquarium. La et il faut passer absolument... Sous la douche, Olivier, je te fais confiance pour ne pas me mouiller. Non, bien sûr que non. Passez sous la douche, restez 3 secondes sous la douche. Tap, tap, tap. C'est une erreur, c'est pas grave. Retour. Où? Eh bien, en haut de la Reine. Allez. En haut de la Reine, ici, pour échapper, bien entendu, à la vachette. Ah, parce qu'il y aura la vachette. Ouais, c'est bon. Car vous avez compris qu'il y aurait la vachette lâchée. Bien sûr, bien sûr. Et ici, direction le grand aquarium géant d'Aix-les-Bains. Voilà. À chaque fois qu'un poisson est arrivé, on lance un départ. Voilà, on a... Et... Vas-y, explique la suite. Et ensuite, c'est le plus grand nombre de poissons pour l'équipe qui sera ici dans l'aquarium qui remportera les 2 points de la victoire. Nathalie, juste une petite précision. Les baignoires devront être les 2 roues avant, arrivées en haut sur le toril, sinon ça ne comptera pas. C'est important. On est bien d'accord. C'est important. Je dis ça pour Thierry qui, quelquefois, est de mauvais joueur. Alors, je ressors. Pour ne rien vous cacher. Et... Oui, c'est vrai. Monsieur l'arbitre, vous êtes gentil, vous ne commencez pas. Non, mais... Vous ne commencez pas, je n'ai rien dit, attendez que j'ai parlé. N'en c'est parlons ça. Plus, monsieur Thierry. Alors, je voudrais dire que ce matin, nous avons subi également des soins, les baignoires, les massages, etc. ici avec les mains, et que l'une des masseuses m'a dit, votre papa était très en forme, et elle nous a pensé que vous étiez mon papa, mon cher Thierry. Enfin, je tiens à rectifier, il s'agissait de Thierry Roland, de la télévision. Oui, est-ce que nous sommes prêts? On a fermé la porte de la Reine, on peut lancer le départ, Olivier, vas-y. On va commencer par sortir la vachette, les fameuses vachettes de Michel Agruma. Michel, lâchons la vachette. Bienvenue la vachette. Oh là là, elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie du tout. Mais si, la voilà. Et voilà. Oh là. Attends, 3, 2, 1, go. Eh bien, c'est très important pour nous tous
de marquer le premier point, n'est-ce pas Thierry? C'est ce qui va donner un petit peu l'ambiance au spectacle de ce soir, alors que la vachette déjà s'attaque à Bellegarde. Pendant qu'Exlima s'envole déjà vers le premier point de la victoire, on va l'air incroyable. VTC. Et c'est top pour nous. Top. Premier poisson pour Exlima, c'est un silure. Légère avantage. Thierry, j'aimerais bien que les candidats de Bellegarde ne s'amusent pas trop avec la vachette et la laissent tranquille. Hein. Oui. S'il vous plaît. Mais ne vous inquiétez pas. Ah, je m'inquiète pas. La vachette retourne à la niche. La niche. Voilà. Allez. C'est pas une niche. Hein. Deux autres poissons vont monter dans la nacelle. Voilà, c'est quasiment fait. On y va. On se dépêche. Vous sortez la truite de Bellegarde. Merci. Attention, un silure pour Aix, une truite pour Bellegarde. Aix, c'est bien écrit le public de mon côté. Bellegarde du fond, c'est son autre série. Pour l'instant, attention. Oh là là, regardez la machette. Elle s'attaque à la baignoire aixoise. Elle a traversé la piscine. Oh là là. La voilà dans la piscine. Non, monsieur, non, monsieur Dex, il faut retourner, il faut les deux aides-soignants. Non, il faut reculer, Dex. C'est bon pour la douche, on a fait 3 secondes. Non, il faut reculer revenir sous la douche. Eh oui, il faut reculer sous la douche. Bah oui, c'est bon. Non, parce qu'il n'y avait qu'un seul aide-soignant. Il n'y avait qu'un aide-soignant, juste sous la douche. Reculez. Voilà. Vous devez revenir, Dex. Dex, vous devez revenir à la douche. Voilà. Allez. Il faut revenir à la douche, Dex. Vite, revenez à la douche. Parce que l'arbitre... Oh là là, Doucement. Oh, il y a la vache qui monte. Mais elle a l'habitude, je rassure les amis des animaux. Notre ami, vous interviewerez le papa des machettes, Olivier. Oui. Qui nous confirme bien. Michel Agrumin, vous l'interviewerez pour qu'il nous rassure sur la vachette qui... Ne manque pas la vachette. Oui, mais il faudrait que la vachette, elle s'attaque un petit peu à Aix aussi. Hein. Elle fait ce qu'elle veut, la vachette. Mais attends, la vachette... Je lance un départ, Olivier. Elle est tout le temps après Bellegarde, la vachette. Elle fait ce qu'elle veut. Alors, j'aimerais quand même annoncer, mes chers Thierry et Jean-Pierre, qu'il y a un deuxième poisson, donc un deuxième silure pour Aix, qui a un avantage certain, alors que l'on va donner un prochain départ avec un autre silure et une autre truite. Ne tête pas. Attention, ne tête pas de la baignoire pour pousser 3, la vachette. 2, 1, go. La vachette pour l'instant s'intéresse de près. Oh là là. À la truite. Oh là là. De Bellegarde. Elle aime la qualité, la vachette. Elle aime votre truite. Voilà. Mon cher Thierry. Elle aime les truites, oui. Ah ben c'est la truite. J'ai jamais vu aussi dur aller aussi vite. Une truite, pardon. Pendant ce temps. Allez. Eh bien, la vachette. On y retourne. S'intéresse à l'équipe aixoise. Un gros bisou, un gros câlin. On encourage tous les candidats qui sont très courageux. Allez. On y retourne. Non, Aix. Il y était. Tu rigoles ou quoi, Olivier? Non. Il faut les deux aides-soignants. Un avertissement pour Aix, il faut les deux aides-soignants. Quel avertissement? Parce qu'il faut les deux aides-soignants. Il va repartir de la douche, voilà. Il peut repartir de là, Olivier, maintenant. Oui, ils peuvent repartir de là. Repart maintenant, Aix, repart, c'est bon. Aix, vas-y, n'écoute pas Thierry. Allez. Aix, Bellegarde, c'est pas sport ce que vous faites. Et voilà. Un gros avantage pour Aix. Départ suivant, Nathalie. Top, c'est parti. Je voudrais, Olivier, que vous soyez tout de même très rigoureux sur l'application des textes. Règlement. Aucun problème, Jean-Pierre. Ce sera la même chose pour Bellegarde. S'il y a un aide-soignant, ils devront repartir à la douche. Forcément, deux aides-soignants poussent la baignoire. Prochain départ. 3, 2, 1, allez, Bellegarde. Il faut se réveiller là un petit peu. Hein. Parce que pour l'instant, on est fanny, hein. Eh bien, c'est la même vachette qui est ressortie, je pense. Une amie de la famille. Cette vachette
s'intéresse maintenant à Aix de façon très affectueuse, comme vous pouvez le constater. Allez. Thierry, cette vachette a envie de prendre un pain. Ben, elle oui. a choisi la baignoire aixoise. Elle aime la qualité. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Bon. Oh là là. Oh. C'est une vachette qui glisse, hein. C'est bon pour Bellegarde, la douche, il faut les deux aides-soignants maintenant. Allez, oui. allez Bellegarde. Allez vite, allez Bellegarde, allez, 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 on sauve l'honneur. Pendant ce temps. Oh là. Pendant ce oh temps. Oh là 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 là. On y était presque. Pendant ce on temps, y était Bellegarde presque. Allez. Souffre des assauts. Aïe 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 aïe. Elle a une forme la vachette. Ah oui, elle est chaude. Allez, allez, Bellegarde, on y reva. Hop là! Allez. Allez, la douche! C'est parti pour Aix-les-Bains. Vous n'avez rien noté là, Olivier, là, allez, aucun nous. Problème, tout va bien! Oui, sans problème, tout va allez. Bien parce qu'on est les meilleurs et on est les plus forts! Allez! Non, oui. Allez! Oui. Allez! D'accord! Top 1! Ah. Une truite pour Bellegarde! Nathalie, on peut préparer un autre départ! C'est parti. Il y a pour l'instant. Allons-y pour le départ. Trois allez. Silures pour Aix, une truite pour Bellegarde et un départ suivant qui s'annonce avec un silure c'est d'Aix. Le dernier départ, me confirme Gilles Amado. Oui. Depuis le quart régie qui se trouve en Suisse. Allons-y. Hey. Allez, 3, 2, 1, go. Allez, Bellegarde, allez, 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 allez. Allez. Alors que la vachette en veut à notre caméraman, notre Steadicam, vite. Ne s'intéresse pas à l'action. Elle ne s'intéresse pas au spectacle, elle ne veut pas prendre de bain. Elle est plutôt intéressée par le public. Allez, on y va vite. Allez, vite. Oh ah là là, il faut les pas là, il faut les pas. Vite. Ah là là, on joue de malchance. Allez, bravo. Égalité. C'est bien. Non, pas tout à fait égalité. 3-2 pour vous. Mais enfin, c'est déjà mieux. Ah non, pas égalité, pardon, ma chère, excusez-moi, Thierry. C'était long, le dernier départ, le jeu est terminé. Et pourquoi? Parce qu'il y a une limite de temps, mais mon cher. Mais il y a encore des poissons, là. Thierry, non, mais... Aix-les-Bains l'emporte. Il y a une limite de temps. Alors, quand on arrive à mettre nos poissons, on arrête le jeu. Non, mais écoutez, mon cher Thierry, c'est comme au football, vous connaissez le jeu. Vous savez qu'au football, il y a des... Y a des... Ah, vas-y, la vachette. Vas-y, la vachette. Allez, Olivier, vous voyez, même la vachette, elle voit que vous... Non, mais c'est pas possible, ça. Je disais, Thierry, c'est comme au football, il y a une limite de temps. Et à l'issue de ce temps, eh bien, il y avait dans l'aquarium derrière moi 3 silures pour Aix, 2 truites pour Bellegarde. C'est donc Aix qui marquait 2 points de la victoire. Le score est de 2 pour Aix et 0 pour Bellegarde. C'est pas beau, ce score, regardez. C'est pas beau ce score avec Olivier. Vous irez interviewer notre ami Agrubin pour qu'il nous dise que les vachettes s'amusent, hein, qu'on n'ait pas de soucis de la part de celles et ceux qui aiment comme moi et défendent les animaux. Le fil rouge, c'est notre rendez-vous permanent de toute la soirée et c'est Nathalie qui se trouve derrière nous au bord du lac. Nathalie. Oui, bien loin derrière vous, Jean-Pierre. Je suis en fait dans le port de plaisance d'Aix-les-Bains, à 200 mètres derrière vous. Alors normalement derrière moi, Olivier devrait se trouver. Il arrive en courant. Allez, pépère. En pleine forme. Sur le ponton derrière où se trouvent deux embarcations assez insolites. On pourrait les appeler des pédalos, mais ce sont des manolos, va nous expliquer Olivier. Allez, exactement. Plus vite. Merci beaucoup. Plus vite, cours. Des manolos, vous les voyez chargés avec à chaque fois à leur bord un garçon muni d'une longue épuisette en équilibre sur deux plots. Olivier, raconte-nous ce qui va se passer. Eh bien voilà, écoute Nathalie, écoutez. Deux embarcations, deux manolos, car ils pédaleront avec les mains. Je suis un peu essoufflé, ce qui est normal. Respire, Olivier, respire. Les coéquipières donc, de Bellegarde à ma droite donneront un poisson à leurs coéquipiers. Même chose pour Aix à ma gauche. Et ils devront le transmettre avec l'épuisette à un kayakiste qui est là, devant Nathalie. Et Nathalie va nous dire la suite. Olivier. Oui. Je ne voudrais pas vous poser une question indiscrète. Qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi? On vous a attendu jusqu'à très tard. Vous paraissez un peu fatigué, essoufflé. Il vous est rien arrivé au moins? Non, rien du tout, Jean-Pierre. Je vous attendais au tennis, comme habituellement. Vous savez, on a un duel. Vous n'étiez pas là. Je m'en étonne encore. Alors, une fois qu'ils sont arrivés jusqu'à cette ligne de flottaison rouge et jaune que vous voyez au milieu du bassin, ils doivent tendre le poisson avec l'épuisette au kayakiste qui, lui, va la récupérer
dans les dents. Dans bonjour la laine à la fin de l'émission. J'aimerais pas être votre fiancé, messieurs, excusez-moi. Il va revenir ensuite en pagayant comme un fou, mais il y a une chose originale dans ce kayak, c'est qu'on a scié le fond du kayak. Et donc, quand il va arriver jusqu'ici, jusqu'au bord, jusqu'à la berge, ils vont tous les deux remonter en s'aidant des mains avec leur kayak toujours comme ça autour des hanches et la poisson dans les dents. Ils vont jusqu'à la table de leur ville respective, Bellegarde ici, Aix-les-Bains ici. Ils déposent le poisson pour les convives qui ont quand même très faim. Il fait faim, hein ? Ben oui, il fait faim. Et là, il repart et dès qu'il est retourné à sa ligne de flottaison, le Manolo revient à la charge et ainsi de suite pendant toute l'émission, Olivier. Alors, il faudrait dire exceptionnellement, Jean-Pierre et Thierry et tous les amis qui nous regardent, que ce soir, celui qui remportera le défi, non seulement remportera un point pour son équipe, mais puisqu'il aura mangé du poisson toute la soirée, Nathalie lui donnera le baiser du vainqueur. Sûrement pas. Je ne suis pas d'accord. Alors, messieurs, mesdemoiselles, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti pour le fil rouge et ça va durer toute l'émission. Eh bien, ça n'est pas un pédalo, mais un manolo. Oui. Un manolo, puisque c'est avec les mains que les deux équipes essaient de rejoindre les deux kayakers. Pour l'instant, ça vous débrouillez pas mal du tout, Bellegarde. Mais non seulement on se débrouille pas mal, mais on a déjà pris une bonne longueur d'avance. C'est exact, mais peut-être que nous réservons nos forces. Oui. Car il faut manoler pendant toute l'émission. Et il faut surtout bien attraper le poisson. Alors, on attrape le poisson. Regardez, vous attrapez le premier poisson. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Ça a l'air bon. Ça a l'air très bon. Oh, ça a l'air super bon. Allez, en voiture, Simone. Hein? Voilà. Et puis, on va essayer de le déposer. On va attendre le déroulement d'un défi pour voir un petit peu comment ça se passe ici. Vous êtes à Aix-les-Mains, en Savoie, au bord du lac. Un port superbe, un site magnifique, une ville d'accueil exceptionnelle. Ça ne doit pas être facile de pagayer avec un poisson comme ça. Regardez. Hein? On arrive avec... On arrive avec le poisson. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Monsieur ne peut pas me répondre, on ne parle pas de bouche pleine. Voilà. Et ben voilà. C'est très intéressant. Bon, on reviendra tout à l'heure voir nos amis pour voir ce qui se passe et pour voir quelle est celle des deux équipes qui est la mieux servie. Tradition dans Intermille aussi, c'est le défi. Ah, c'est là encore, il faut se servir de ses bras, de ses muscles pour arriver le premier en haut du plan incliné. Nathalie, vous êtes avec deux solides gaillards que vous ne manquerez pas de nous présenter. Oui. Je suis avant les deux solides gaillards. Regardez le magnifique parterre de fleurs que la ville d'Aix-les-Bains nous a fait. C'est magnifique. Et j'y arrive aux solides gaillards. Mais avant toute chose, je vous rappelle, Jean-Pierre, que la ville qui va remporter le plus de défis ce soir permettra au supermarché Stock de remettre une somme de 10 000 francs à l'association Pas d'enfants sans vacances, il fallait le noter. Bonjour. Bonjour. Tu représentes la ville de Bellegarde, tu t'appelles comment? Je m'appelle Frédéric. Frédéric, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis coiffeur. Ah, mais alors est-ce que tu fais du sport? Parce que tu sais que c'est quand même physique le défi. Bien sûr, je fais un peu de sport, je fais de la musculation. Et ça va te servir la musculation, 25 secondes, c'est le record, il va falloir le relever. Ouh là là. Bonjour. Oh, toi t'es sportif aussi, comment t'appelles-tu? Rachid. Rachid, tu défends les couleurs d'Aix-les-Bains, et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis chauffeur-livreur chez Bourget-Montreuil. Chauffeur-livreur, vous avez compris que Rachid, ne plaisantez pas. Vous mettez en place, messieurs, je vous rappelle que vous avez une minute maximum pour monter et que vous devez surtout ne pas vous aider des genoux pour monter. Relevez les jambes, Rachid. C'est important car le juge veille. En place. Allez, bon, Nathalie, on redit un avertissement en cas où les candidats cèdent avec les genoux et ensuite, malheureusement, on disqualifie. Mais oui. 3, Nathalie. 2, 1, top, c'est parti. Doucement les genoux, Bellegarde. Eh oui, il n'y a pas de genoux qui... Il faut descendre, Rex. Il faut descendre en bas. Vous êtes arrêté avec les pieds. Rachid, tu dois descendre et remonter. Vas-y, repars. Allez. C'est possible. Allez, Bellegarde. On récupère Bellegarde tranquillement. Attention, Rachid. Voilà. Il a raison. Allez. Les genoux. Allez, Bellegarde, on continue. Voilà, on y est presque, Bellegarde. Voilà, il y a encore une dizaine de marches. On récupère. C'est très fatigant. La chaleur est étouffante ce soir ici. Et pour eux, c'est extrêmement fatigant. Oh là là. Top, c'est terminé. Bravo.
Et le point va à Bellegarde sur Valserine. C'est le premier d'une longue série. Et bien voilà, comme Thierry vous l'annonce avec un petit peu d'avance, c'est l'équipe de Bellegarde qui remporte le point de ce défi. Le score est donc maintenant de 2 pour Aix, mais 1 pour Bellegarde qui vient d'ouvrir le score. Et Thierry, alors, soyez plus réservé quand vous dites c'est le premier d'une longue série. C'est le premier d'une très longue série. Ce sont des propos qui n'engagent que vous, bien entendu. J'aimerais quand même dire, Jean-Pierre et Thierry, le spectateur ne sera pas dupe. Allez-y, mon cher Olivier. Oui, merci. Je voulais juste vous dire que le recordman pour l'instant, eh bien, c'est un Puy Follet, je crois, avec 25 secondes. Et on retrouvera, eh bien, le vainqueur du trophée TF1 du meilleur grimpeur à Disneyland Paris lors de la finale, tout début septembre. Voilà. Un circuit touristique, puisque nous sommes au cœur d'une région touristique magnifique, superbe, où des dizaines de milliers de touristes viennent se reposer, se détendre chaque année, ce qui est un petit peu notre cas depuis que nous sommes arrivés ici, Thierry. Et vous savez, Jean-Pierre, que les fêtes se succèdent aujourd'hui. C'est Interville que nous allons gagner, et dimanche, il y a la fête du pain à Marigny-Saint-Marcel, pas très loin d'ici. C'est pour ça que c'est une région éminemment touristique. Vous avez raison, n'hésitez pas à interrompre le cours de l'émission dès que vous avez une autre information de la plus grande importance à nous communiquer, mon cher Thierry. Merci mille fois. Nathalie, où êtes-vous ? Je suis au volant d'une superbe voiture en mousse. Regardez ce que l'équipe de la décoration d'Interville nous a fait. C'est formidable, ils font voiture. Un travail extra. Vraiment. C'est la voiture de Jean-Pierre. Qui conduit la voiture ? C'est Bibi. Qui est son aide ? C'est Lolo. Olivier, voilà. Et il va falloir, pour les deux voitures des villes, ici c'est celle de Bellegarde et à côté c'est celle d'Aix-les-Bains, il va falloir transporter une famille entière sur son lieu de vacances. Allez. Alors, ils partent à 4, d'accord ? Oui. Et ils ont un petit parcours, un petit peu périlleux à accomplir. On vous montrera tout à l'heure comment on fabrique tous ces objets avec l'équipe de décoration. Un petit parcours périlleux à accomplir pour aller justement déposer les deux premiers membres de la famille avec, pour commencer, le chamelier. Soyez sympa, les gars. Doucement, doucement. Soyez sympa. Soyez sympa, on en a besoin. J'ai dit, soyez sympa. Allez-y, doucement. Allez. J'ai dit. Doucement. 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 On y voit le carter. Doucement. Il y a le double arbre-cam qui est en tête. En effet. Ah. Doucement, okay. Doucement, allez, avancez. C'est une décapotable, c'est bon. C'est beau les cabriolets. Hein. Voilà. Ok, une fois qu'ils sont passés, normalement plus rapidement que nous, ils ont un tunnel à franchir, c'est bien connu, dans cette région montagneuse. Il y a des tunnels. Il y a beaucoup de tunnels. Oh. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur le tunnel ? Repassage. Il y a un phare qui pleure. Ici, on l'a déjà cassé la voiture ? Non. Non, mais il y a un phare qui est en mauvaise santé, oui. Ah, mais non, on met clignotant pour tourner. Et là, attention, on arrive sur la tournette. Il faut absolument aller dans le sens inverse de la tournette pour aller déposer les deux membres de la famille. Regardez, si je suis Bellegarde, je dépose les deux membres de la famille et je repars chercher deux autres membres sympas. Attends. Oh là là ! Oh là là ! Catastrophe. On me le change. Il faut qu'on regardez le ça. Catastrophe. Ils ont accéléré la tournette. Oh là là, il est dans un drôle d'état. Allez, là, Olivier. En route. Elle est en route. Elle Quelle aide. En fait, elle est beaucoup plus solide que lui, vous l'avez remarqué, Thierry. Hein. Oui, on repart. Elle est beaucoup plus solide toujours que lui. Toujours comme ça, les femmes. Mais Olivier, il fait des excès, moi j'en suis sûr. Ah, on fait un petit créneau, Olivier. Alors, on se remet là. Est-ce que les deux équipes maintenant sont prêtes? Bravo, Olivier, bravo et merci, Nathalie. Et alors, Jean-Pierre, c'est toute la famille comme ça qu'il va falloir transporter. Le père, la mère, la grand-mère, les enfants. Alors, c'est bien sûr la première famille reconstituée. Regardez. Oh là là, regardez. Mais c'est parce qu'il est habitué à sa voiture noire intérieur rouge, c'est pour ça. Regardez. Ralenti de Gilles Lavadon et un beau plouf. Alors, est-ce qu'on est prêts les deux équipes? Oui, est-ce qu'on est prêts? Jean-Pierre, c'est la première famille reconstituée sur le podium qui remporte les deux points de la victoire. Les deux points de la victoire. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Go! Top! Et nous encourageons les deux équipes. Léger avantage pour l'instant à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains qui avance, qui va attaquer la chaussée déformée. On passe, je l'espère. Oh là, oh là. Allez, Aix! On passe sans difficulté à l'attaque du tunnel! Ce mur. Aïe, 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 mais il y a pas
Remettez-vous sur le plan. Ah, ça y est, le phare est cassé définitivement. Remettez-vous, voilà. Oh là là. Allez, c'est bon, on y va, avancez. Bellegarde, on y va, reculons. Mais c'est en marche avant qu'il faut aller, Bellegarde. C'est une très belle performance d'Exema. Descendez, mademoiselle. Déposez. Voilà. Non. Ça ne fonctionne pas, c'est pas comme ça qu'on décharge les passagers. J'en sais. Et si on a envie, moi je fais comme ça, moi chez moi. Ah je ne monterai pas en voiture avec vous, moi j'en prie. Ah ben justement, j'ai pas envie de vous prendre à mon bord. Non, mais... Allez, Bellegarde, on repart. Allez, on se remet tous les quatre. Et comment on le dépose alors? Eh bien, on va le déposer sur net. En soulevant la voiture. Allez, on soulève la voiture. Avancez. Allez, Bellegarde, allez. Oui, c'est bon. Allez, on encourage les Aixois. Passagers sont embarqués par Aix. C'est reparti. C'est bon, on y va. C'est reparti Aix. Aix les bains, allez-y. Allez, Bellegarde, allez. Il faut les rattraper là. Aïe. Une voiture qui ne pouvait pas passer le contrôle technique puisque un pare-brise en piteux état, un phare arraché. Mais. Aïe. Oh là là. Aix. Oh, avance. Bellegarde, qu'est-ce qui vous arrive là? Passe sans encombre la chaussée déformée. Allez, Bellegarde. Et va attaquer le tunnel pour la deuxième fois. Ici, Bellegarde, revenez ici. Remettez-vous sur le plan incliné, ce sera plus facile. Allez vite. Discrètement, Aix-les-Bains arrive pour essayer de prendre sa place et de déposer la deuxième personne membre de la famille, alors que votre équipe ne prend pas soin du véhicule. Il faut dire que le véhicule est en piteux état. Bah oui, c'est de votre faute. Hein. Mais non, si vous êtes pas... non, Bellegarde. Si vous ne soignez pas le matériel. Mais si, on soigne le matériel, mais on a rencontré de gros ennuis sur la route. Ah non, Olivier, non. Hein. Non, même chose. Parce que bon, même chose. Allez vite, on remonte. Allez, Bellegarde. Thierry, encouragez Bellegarde. Oui, Bellegarde, il faut se remettre d'aplomb et il faut surtout revenir sur le plan. Et pendant ce temps, nous, tranquillement, nous reprenons notre place sur la tournette pour essayer de déposer le deuxième membre de la famille. Allez, Aix. Allez, Bellegarde, revenons. C'est bon. Remettez-vous sur la tournette. Ne prenez pas la place. Soulevez, soulevez maintenant. Allez, joli. Joli, Aix. Magnifique. Alors que vous gênez, alors que c'est une entrave à notre liberté. Il y a un embouteillage. C'est de votre faute. Allez, sors, jeune fille. Allez. Bellegarde, laissez passer la voiture qui vous suit. Aïe. Laissez passer la voiture qui vous suit. Ici, jeune fille, là. Ah non, mais c'est pas normal, ça, Héo. Oh là là. Aix. Oui, Aix. Allez, Aix. Joli. Troisième départ. C'est le dernier départ là ou pas? C'est le dernier départ pour Aix. Dernier départ pour Aix. Allez, Bellegarde, on a du retard. Il faut combler ce retard. Absolument. Regardez. Allez. Oh, on a perdu le pare-brise. Allez. On a perdu le pare-brise. Allez, Bellegarde en double. On a du mal à avancer avec ce Bellegarde double, c'est vrai. Allez. Que Bellegarde double. Allez. Mais c'est vrai que Aix va essayer de passer premier dans le tunnel. Allez. Oh là là. Reculez un peu, Aix. Reculez un peu. Comment reculez un peu? Est-ce que vous avez dit ça tout à l'heure à Bellegarde? Ça va pas, non? Écoutez, Jean-Pierre. Alors, c'est parce qu'Aix a perdu son pare-brise. Eh, vous n'avez plus de pare-brise. Vous vous rendez compte? Allez, Bellegarde. Joli, Aix. Double, Aix. Double, Aix. Vas-y, Aix. Double. Allez. Voilà, Bellegarde. On est dans le bon rythme. Allez, faut continuer, Bellegarde. Vite, c'est pas perdu. Allez. Non, attendez, Olivier, non. Attendez, nous, tout à l'heure, on aurait pu passer avant la voiture. Attendez, mais non, attendez. Non, je suis pas d'accord. Mais vous attendez. Êtes sur le passage. Je suis pas passage. D'accord. Il y a un parcours, il faut le respecter. Mais vous êtes sur le passage, comment voulez-vous qu'on passe? C'est tout à l'heure, vous étiez bien sur le passage. Mais on non, a attendu. Mais non. Il n'y a pas de mais. Ça s'est passé très loin de la descente. Non, ça s'est passé là. Bien sûr. Non. Ça c'est pas bien, Jean-Pierre. Non, ça c'est laid. C'est très laid. Retournez là-bas. Allez, Bellegarde. Allez, dernier arrivage pour Aix. Allez, Aix. Allez-y, Aix, on a gagné là. Allez-y. Allez, Bellegarde, allez. Allez-y, 3, 4, c'est bon.
c'est pas joli. Ah merde, pardon. Ça m'a échappé. Je ne le dirai plus. Oui. Allez, Bellegarde, c'est pas fini cette affaire. Allez. J'espère que vous ne faites pas tourner la tournette beaucoup plus vite que allez, allez. Pour Bellegarde. Hein. Allez, Bellegarde. Allez, allez. On allez. Est épuisé avec ses mains. On était. Allez, Bellegarde, c'est elle pas tourne fini. Beaucoup trop vite. Elle tourne beaucoup trop vite. Me signalent mes observateurs sur place. Il y a un passager blessé. Non. On est un blessé. Mes observateurs signalent. On est un blessé, monsieur l'arbitre. Nous allons tout de suite aller voir, bien entendu, vite, sur place. Il faut une des personnes là. Ce qui le Bellegarde va remplacer cette jeune fille. Allez, vite. Remplacez la jeune fille. Ex, voilà. Continuez. Allez. Ex. Allez. On est presque au bout, ex. Allez, Bellegarde. Ne vous laissez pas avoir, c'est une tactique de et Bellegarde. Pas. Mais non. Mais si, non. C'est une tactique. Mais vous rigolez, on l'emmène à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est une tactique? Allez. Il faut que ex. Allez, vite. Bellegarde, c'est pas fini. Allez, vite. C'est ex. Pas fini. Remonte à bord, ex. On va pas se laisser avoir là maintenant. Allez, alors qu'ils ont du sang frais, c'est pas normal. Ça se joue, c'est pas normal. Le candidat qui vient d'arriver est en pleine forme. Ça n'est pas normal. Allez, Bellegarde, allez. Ouais, allez, vite. Ça se joue allez. Maintenant, Jean-Pierre. Ça se joue maintenant. Non, c'est pas normal. Allez, Bellegarde, on remonte dans l'appareil. Là, ici, Bellegarde. Ici. Allez, Bellegarde. Allez. Allez, c'est pas fini, Bellegarde. Dépêchez-vous. Ex. Ici, Bellegarde sur le podium. C'est bon, on repart, allez. Allez, Ex, vas-y, Ex. Allez. Allez, non. Allez. Voilà, très bien. Il y a un problème pour les deux, mais c'est la même tournade pour les ici, deux. Ici, faut revenir là. Faut revenir ici, les garçons. Allez, Bellegarde. Faut revenir ici. On recommence. Je dépose une réclamation officielle. Allez, Bellegarde. Oui, nous verrons ça à la fin. Je dépose une réclamation officielle. C'est un jeu d'endurance allez. Et Bellegarde a du sang frais. Ça n'est allez, pas Bellegarde, mal. Allez. Ça n'est pas voilà. Normal. Ça n'est pas normal. Deux, stop. Allez. Stop. Non. Je dépose une réclamation officielle. Voilà. C'est terminé, Jean-Pierre. S'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Oui. Monsieur l'arbitre. Oui, oui. Je voudrais, s'il vous plaît. Voilà. Je prends les Aixois à témoin. Oui, oui. Non, mais... Moi, je il y a eu... garde à témoin, moi. Vous êtes gentil. On a eu un blessé, ça peut arriver à tout le monde. Bien entendu. Ah, mais oui. Dans ce cas, j'aimerais que le règlement soit stipulé avant le départ. Parce que là, l'équipe de Bellegarde, en effet, sur blessure, a eu un nouvel arrivant qui était en pleine forme, alors que c'est un jeu d'endurance. Mais ça n'est pas normal. Mais c'était... Alors, je refuse. Voilà, bravo. Ça n'est pas normal. Bravo. Laissez-moi répondre, Jean-Pierre. De toute façon, vous aurez toujours une réponse et vous me donnerez tort. Non. Et là, c'est pas bien de votre part, monsieur l'arbitre. J'espérais qu'on pouvait compter sur votre sportivité. Il y a eu une blessée dans l'équipe oui. de Bellegarde, c'est oui. vrai. Mais la voiture de Bellegarde était à ce moment-là à environ 50 mètres de la voiture d'Aix qui était quasiment arrivée. Oh. Oui. Et c'est plus oui. parce que malheureusement, les Aixois n'ont pas réussi à arriver que parce qu'il y avait un changement dans Bellegarde. Oh. Donc nous confirmons le résultat. Oh. Deux points de plus pour Bellegarde. Le score est de 3 pour Bellegarde. Voilà. Voilà. Je vais maintenant désormais, pour tous les jeux, Olivier, non. vous demander de me lire avec précision le règlement. J'espère pour vous qu'il est déposé chez Jean-Louis Hoguel. Sinon, avec monsieur le maire, nous portons plainte devant les plus hautes instances de l'État. Nous sommes défendus par Guy Lux, vous irez vous en référer à lui. Non, mais attendez, s'il vous plaît, pas de Guy Lux là-dedans. Nous connaissons trop sa rigueur sur les règlements. Guy Lux a inventé les règlements au fil du jeu, un peu comme vous d'ailleurs. Et c'est une honte. Monsieur Foucault, c'est pas bien de le prendre comme ça. C'est même très laid. Oui, bien sûr. Enfin, toujours est-il que je vous avais dit que c'était le premier point d'une longue série tout à l'heure. Et bien maintenant, on en a deux de plus, ça fait trois et on est en tête. Voilà. Nous verrons. Nous allons demander à Mme Guigou de nommer une commission. Je suis désolé. On va être obligé d'en arriver là. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Le défi, le fil rouge. Fil rouge. Oui. Alors, où est-ce qu'on en est avec les poissons? On s'est fait escroquer, nous. Moi, je pourrais pas continuer longtemps à me faire escroquer, là. Je suis désolé. Regardez ce qui se passe ici au fil rouge. Le concurrent aixois a un magnifique poisson entre les dents. Et on va tout de suite l'accueillir comme il se doit. Ça sent le poisson ici, hein. Pas la morue, mais le poisson. Ah oh. Et alors, je vais le laisser quand même déposer son poisson dans l'assiette de sa ville. Repartir, fais-moi sentir ta bouche, toi. Oh, ça sent la poiscaille, hein. Ah ben ça, oui, je vous promets.
Et on va compter alors... tout de suite le nombre de poissons pour Aix. Alors, il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 11 ? Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oui. 10 poissons pour Aix et pour Bellegarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons donc une légère avance de 2 poissons pour Aix sur ce fil rouge. Ah, une grosse avance, oui, 2 poissons, c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup. Oui. Allez, allez, Bellegarde, il faut remonter ça. Hein. C'est beaucoup. Non, non, simple, genre une seconde, et puis je ne reviendrai pas sur votre décision, monsieur l'arbitre. Oh. Une seconde. Ah, oh, rien n'empêchait le chauffeur de notre voiture qui était épuisé de faire « Oh, yo, yo, j'ai mal !» Oh, non. On aurait mis quelqu'un en pleine forme et on l'aurait emporté. Non. C'est là où c'est inacceptable. Non, c'est ne là, dites non, pas. C'est pas très beau de la part de Jean-Pierre. Ah, oui, ce n'est pas très beau. Jean-Pierre. Ah, on aurait pu dire ça, alors. Je l'ai connu beaucoup plus sportif. Ne laissez pas entendre que candidat l'a fait exprès. Nous allons essayer de régler ce litige. Je vous propose de rendre l'antenne tout de suite, car ça ne peut pas durer. Non, on se retrouve dans quelques instants. C'est pas bien. Ensuite, d'interview. À tout de suite. Accueille pour la troisième fois cet été Interville 97. Un match qui oppose Aix-les-Bains à Bellegarde et déjà un grand litige. Nous oppose Cyril. Non, il n'y a pas de litige, il y a Bellegarde sur Valserine qui mène 3-2, c'est tout. Exactement, il n'y a aucun litige. Le score est de 3 pour Bellegarde, 2 seulement pour Aix, mais ce n'est pas terminé. Olivier, la nuit sera difficile. Olivier Chiabodo, chambre 417. Ah bah écoutez Jean-Pierre, ça va pas. D'accord, que j'ai pas dit fort. Non, vous avez pas donné l'hôtel. Non, il l'a pas donné, mais il va le donner. Alors, où en sommes-nous maintenant, Nathalie Olivier? Nous en sommes au jeu de la transhumance. Jean-Pierre, regardez derrière moi, il y a 10 magnifiques vachettes qui attendent d'aller un petit peu respirer de l'air frais, où ça, jusqu'en haut de la Valserine, vous savez, qui domine la ville de Bellegarde. Bien alors, sûr. On vous montre le parcours au top départ. Elles s'élancent toutes les 10 ensemble jusqu'au tapis roulant, qui bien entendu va lui rouler dans l'autre sens. Et beaucoup plus vite pour elle que pour moi. Oui, elles arrivent au bout de ce tapis. Non, c'est pas la peine de tendre les bras, je ne sauterai pas. Elles arrivent au bout de ce tapis et là, elles se jettent, non pas dans les bras de ce charmant garçon, mais jusque sur la structure gonflable, voilà, dans les bras d'Olivier. Voilà. Et elles escaladent la Valserine et l'équipe qui aura ces 5 vaches, la première en haut de la Valserine, remportera le premier point de cette épreuve, car c'est une épreuve qui se déroulera en 2 parties. Tout à l'heure, je vous raconterai ce qui se passe dans la deuxième partie. Alors, je repars. Voilà. Nathalie, on souligne bien ça pour Thierry Jean-Pierre qui, bien sûr, n'entendent plus très bien. On répète, il y a un point en jeu dans cette première partie de jeu. N'oubliez pas, les 5 premières vaches de l'équipe ici dans les Alpages remportera un point. Nathalie, le départ. Est-ce que les vachettes sont prêtes? 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Oh là là. Restez là-dessus. Hein. Allez, la première vache de Bellegarde en route. Allez, allez. C'est une vraie boucherie de vachettes ici. Voilà une vache de Bellegarde qui est arrivée. On continue. Allez, Bellegarde. Allons-y. Et ça fait deux. C'est là-haut. Je ne dis plus rien, Thierry. Oui. Je vous laisse la responsabilité de vos commentaires. Eh bien, pour l'instant, il y a une troisième vache de Bellegarde qui est en route. Je voudrais simplement faire un commentaire. Oui. À monsieur l'arbitre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Va-t-il y avoir encore une réclamation, Jean-Pierre, peut-être? Et comment? Ah. Et qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous le dire dans un instant. Ah, moi, je n'ai rien vu du tout. Mais je vois que les deux dernières vaches de Bellegarde vont arriver au paradis. Au paradis des vaches. Et voilà.
cette première partie de jeu. Alors écoutez, Olivier. Oui. Avant de donner le résultat, je vous écoute, Jean-Pierre. Olivier. Oui. Là, je ne voudrais pas tout de même qu'on nous prenne pour des imbéciles. Allez-y. Qu'est-ce que le départ. Oui. Le départ. Oui, Jean-Pierre. Que faites-vous, Jean-Pierre? Vous voulez partir? Attendez. Vous partez en transhumance? Le départ sur la tournette. Oui. Bellegarde était là. Aix était là. Le tapis à l'envers là. Voulez-vous nous dire pourquoi nous sommes pénalisés, pourquoi nous sommes derrière? Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors, écoutez. Je pense que là, Jean-Pierre... Est-ce qu'il y a une raison particulière? N'allez pas vous sortir l'article 28 que vous êtes en train d'inventer et que Guy Lux vous souffle dans l'oreillette, parce que je le prendrai très mal. Jean-Pierre, je me demande si c'est pas les 200 mètres d'altitude d'Aix-les-Bains qui vous tournent la tête. Car, Jean-Pierre... Il y avait un mélange de vaches entre les vaches d'Aix-les-Bains et les vaches de Bellegarde au départ. Et honnêtement, au départ du tapis roulant après, c'est une vache de Bellegarde qui était en dernier. Non, je suis pas d'accord. Doucement, papy. Jean-Pierre, regardez. Venez au centre avec moi, vous allez voir. Nathalie. Voulez-vous, Gilles, s'il vous plaît, montrer sur l'écran géant le ralenti, le point de départ du jeu. Mais venez la tirer à côté de moi. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Regardez le point de départ. Vous n'allez pas critiquer chaque fois que nous gagnons un jeu. Si. Quand vous avez gagné le premier jeu, j'ai rien dit. Franchement. Est-ce que Gilles peut nous présenter le départ sur la tournette, sur le grand écran? Oui. Attendez, non, revenez en arrière. Revenez au point de départ, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une émission spéciale? Remontez au point de départ à l'arrêt. Oui. À l'arrêt. Oui. À l'arrêt. Et regardez. Oui, regardez. Eh bien, elles sont mélangées, les vaches. Comment elles sont mélangées? Eh oui. Mais c'est vous qui êtes mélangées. Vous êtes complètement mélangés. Mais les vaches sont mélangées. Voilà. Malheureusement pour vous, Jean-Pierre, la vidéo est formelle. Allez, retournez vous asseoir. Jean-Pierre, malheureusement pour vous, encore une fois, votre mauvaise foi a fait lieu et la vidéo vous a donné tort. Donc le point de cette première partie de jeu va à Bellegarde et le score est de 4 pour Bellegarde, 2 pour Aix. Et nous allons pouvoir débuter la deuxième partie du jeu, n'est-ce pas, Nathalie? Voilà. J'espère. Est-ce que vous êtes retournés à vos places? Non, mais alors? Alors, je vais vous expliquer la deuxième partie du jeu. J'aimerais que vous soyez attentifs pour ne pas qu'il y ait de contestation après, Jean-Pierre. Ah, mais quand même. Oui, Thierry aussi. On va pour pas cette se laisser rouler partie. Dans la farine, hein. Regardez. Allez. Regardez, les vachers. Alors. Les vachers sont là, avec chacun leur chien. Et ils vont avoir comme mission d'aller chercher ces vaches là-haut, tout en haut, sur le mont qui domine Bellegarde. Et... chose qui n'est pas facile, ils vont devoir s'habiller en route car il leur manque, ralentis le tapis s'il te plaît, merci, il leur manque leur pantalon qu'ils vont mettre en même temps qu'ils courent sur le tapis et là, re-saut, re-escalade et ils redescendent avec chacun leur vachette attachée au bras, ils doivent remonter sur le tapis, repartir jusqu'ici et regarder où ils déposent leur petite vache. Oh, Nathalie! Ça va, Nathalie? Doucement, Nathalie! Doucement. Ça va! Ça va, allez! Ça va, Nat? Ça va. Ok. Donc, on va donner le départ, peut-être, Nathalie? Oui, on va donner le départ. Je voudrais faire deux petites précisions. Si un des candidats n'a pas complètement mis son pantalon, mais tombe à l'eau, il retourne au départ en gardant déjà la jambe de pantalon qu'il a mis. Je tiens à faire cette remarque pour pas qu'il y ait de problème avec Jean-Pierre, éventuellement. Et dernière chose, c'est uniquement si la vache est bien attachée... C'est pas avec Jean-Pierre, c'est avec Aix-les-Bains. ...est bien attachée avec le berger ou bien avec le chien, que ça fonctionnera en bas. On est bien d'accord, Nathalie? Le départ. Attention Nathalie, je donne 3, le départ pour Nathalie. 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Alors, le jeu consiste à s'habiller sur le tapis roulant. Et une nouvelle fois. Allez Bellegarde, on met le pantalon. À tenter allez, de Bellegarde. Rejoindre allez, les équipes qui sont là-haut. Allez. Allez Bellegarde, il est monté vite hein. Il est monté vite. Allez. Ça descend tout aussi vite. Allez. Non Bellegarde. Non. Alors. Attendez, moi je sais pas si je peux parler Olivier, mais vite, là, ça il faut sent. Vous attacher. Allez. Attachez-vous avec la vache, vite. Il faut aller s'attacher avec la vache. Allez. Là-bas.
Là. Top. René Hervache avec son berger pour Aix. Très bien. On est bien d'accord. Vous avez vu Jean-Pierre, c'était équitable. Vous allez au centre, voilà, vous allez au centre, vous êtes éliminé. Attention, le prochain départ. 3, 2, 1, go. Regardez s'ils sont beaux, regardez le travail de notre équipe de décoration pour la tête des chiens, ils sont magnifiques. Allez. Maintenant c'est pas vraiment pratique pour s'habiller. Ah, il a perdu la culotte. Il a perdu la culotte. Ah. Oui. Allez Bellegarde, voilà tranquillement. Assez doué hein, votre équipe, Thierry, je le reconnais là. Quand vous jouez bien, vous jouez bien. Mais non, mais vous savez, c'est une question d'entraînement, mais c'est bien de le reconnaître. Voilà. Allez, on va chercher la vachette. Aïe, 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 aïe. Il y a de gros problèmes de culotte. Hein. Gros problème de culotte pour l'équipe d'Aix-les-Bains. Ah oui, oui, oui. Mais il n'est pas dit que nous perdions. Il n'est pas dit que vous perdiez, mais enfin... Il n'est pas dit qu'on gagne non plus. Il n'est pas dit que vous gagniez parce qu'il a beaucoup de mal à mettre la culotte. Allez, on s'attache avec la vache, Bellegarde. Allez, on s'attache avec la vache et on descend. Allez. Allez. Oui. On peut sortir tout droit. Allez. C'est bon. On s'attache. La vache qui tire le chien, vous l'avez remarqué. Oui, c'est les deux. Top. Voilà. Et bien, c'est original. Eh bien, on égalise. Dans les pâturages, une vache pour Aix, une vache pour Bellegarde. Et le départ suivant, on est prêt. 3, 2, 1, go. Allez. Allez, Bellegarde, on met la culotte. Aix-les-Bains, on essaie. Aïe. Hop. Aix-les-Bains pour l'instant. Allez. Et toujours sur le tapis. Oui, une jambe. La deuxième, on ne saurait tarder. C'est une affaire d'équilibre. Il prend en effet du temps. Aïe. Ah, Bellegarde. Debout. Allez, Bellegarde, on recommence. Par là. Ah non. Eh non. Bah, non. Non, il a mis la culotte devant. Il l'avait avant. Non, Thierry. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça n'est pas au singe qu'on apprend à faire la grimace. Thierry, j'ai vu ce que vous avez vu. Il a réajusté son élastique, mais j'avais surveillé avant. Il n'a pas mis la jambe quand il était au sol. Il manquait une jambe. Mais non, si. Non, il manquait rien du tout. Ah, il manquait une jambe, mais vous manquez la voix. Oui, d'accord. Voilà. Attention. Allez, Bellegarde. Une transhumance. Ah, il a du mal avec la De la part d'Aix qui reprend le tapis. Ah ben allez-y, donnez des coups à la vachette. Non mais... Aix-les-Bains, le deuxième couple, si je puis dire, arrive. Ici dans l'enclos, 2-1 pour nous. Voilà, deuxième vache pour Aix. Eh bien, c'est tendu maintenant, car si Aix redescend une vache, c'est Aix qui remportera ce point. En revanche, si Bellegarde descend la vache, eh bien, il y aura une manche supplémentaire. Départ suivant. Attendez, on élimine la vache et le berger de Bellegarde. Départ suivant, vous êtes prêts messieurs? 3, 2, 1, go! Allez Bellegarde, on met l'autre jambe. Pas mal, à cloche-pied les deux, avec une tête de chien. Bien joué Aix! Allez! Aix revient, remonte sur le tapis. Aïe, il l'avait presque mis. Il a des problèmes. J'espère qu'il ne va pas faire tomber notre petit toutou d'amour. Non, il est sur le tapis. Aix, double. Bien joué. Aïe. Très bien joué, plouf. Le chien va chercher la vache. Aïe. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à mettre la culotte. La Bellegarde, allez. Il faut et mettre la culotte à l'endroit. Descente d'Aix-les-Bains. Et nous reprenons la tête. Ce qui n'est que justice. Nous avons été volés. Mais non. Mais si. Oui, mais dit non. Monsieur Grandjean le maire d'Aix. Allons. Arrivée élégante sur le tapis. Top.
C'est la fin du jeu. Merci beaucoup, Olivier. Nous voyons derrière nous qu'il y a trois vaches de Aix qui sont redescendues dans les pâturages. Donc, ce point va à Aix et le score est donc maintenant de 4 pour Bellegarde, mais 3 pour Aix. Merci beaucoup, score affiché. 4. Comment, 4 Bellegarde toujours? Et vous allez pas nous retirer nos points en plus. Non, mais je contrôle. Ah bon? Je contrôle 4 à 3. Oui, 4 à 3. Et d'abord, c'est pas Bellegarde, c'est Bellegarde sur Valserine. D'accord. Voilà. Parce que des Bellegardes, il y en a plein en France. Regardez les ralentis que nous donne Gilles Amadeau. Et j'accueille sur ce podium, ou plutôt il nous accueille chez lui, dans sa commune, monsieur le maire, monsieur André Grosjean. Bonsoir, monsieur le maire. Oui. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Très bien, alors présentez... Heureux de vous accueillir. Merci. Présentez-nous votre commune. Eh bien écoutez, Aix-les-Bains, c'est une ville d'eau. Une ville d'eau thermale. Et également une ville de congrès. Une ville extrêmement fleurie, puisque nous avons le Grand Prix du fleurissement européen. Et puis nous avons également ce merveilleux lac. Ce lac naturel, le plus grand lac de France. Ce merveilleux belvédère qui est le Mont Rovard, et puis les eaux thermales, c'est-à-dire qu'Aix est sur trois niveaux, lac, centre-ville et belvédère, le Rovard. Combien d'habitants à Aix-les-Bains, monsieur le maire? 25 000 normalement, mais ça double en été. Ça double en été avec les curistes et les touristes. Les curistes et les touristes. Merci beaucoup, monsieur le maire. Comment t'appelles-tu? Pierre-Henri va nous présenter donc sa ville aux côtés de M. Grosjean, le maire d'Aix-les-Bains. Regardez en image la ville qui accueille Interville ce soir. À Aix-les-Bains, nous avons le plus grand lac naturel de France. On peut s'y baigner, faire de la voile, du ski nautique. On peut aussi partir en croisière et découvrir notre patrimoine. Dans le lac, il y a des poissons, des oiseaux, les roselières. Toute une vie naturelle que nous voulons préserver. Ce qui est drôle avec notre lac, c'est qu'il crée un microclimat en pleine Savoie olympique. C'est qu'on est aussi montagnard à Aix-les-Bains. Au-dessus de nos têtes, il y a le parc naturel des Bauges et le plateau du Revard. De là-haut, on a l'impression de toucher le Mont Blanc. C'est le paradis de la randonnée. En hiver, quand les vaches sont rentrées, il y a 160 km de pistes de fond. On peut faire du ski alpin, de la raquette à neige. Entre la montagne et le lac, il y a notre ville. Depuis les Romains, le thermalisme a fait sa réputation. Ville d'eau, Aix-les-Bains est devenue, au fil du temps, une ville d'art, d'histoire et de jeux. Avec deux casinos, un golf et même un hippodrome. Bientôt, un établissement très moderne accueillera les curistes et les gens qui viennent pour la remise en forme. Parce que la forme, le sport et la santé, ce sont vraiment les grandes spécialités d'Aix-les-Bains. Merci beaucoup, Aix-les-Bains. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir chez vous. Le fil rouge, Olivier. Oui, un petit coup d'œil sur le fil rouge, Jean-Pierre, c'est moi qui suis là au fil rouge, car Nathalie se fait un petit peu soigner, vous le savez, mais je suis sûr que les applaudissements en Interville vont lui aller droit au cœur et ça va aller beaucoup mieux dans un instant. Alors, merci. Nous allons faire... Applaudissez Nathalie. Oui, elle le mérite bien. Hein. Oui, oui, oui. Alors, vite, un petit point sur le fil rouge. On peut dire que sa cheville va l'empêcher de courir là ce soir. Elle va venir en danger sur le podium dans un instant. Oui, elle va arrêter de courir après moi, justement. Ça tombe bien. Alors, le nombre de poissons, tout de suite pour Aix-les-Bains. Alors, il y a un, deux, je vais me faire aider. Non, mais lui, dites donc, c'est vous qui avez compté? Oui, oui, oui. 25 poissons pour Aix, 25 truites pour Aix. 25 truites pour Aix, d'accord. Et pour Bellegarde, 22. Comment ça, 24? 22 truites. 22 ou 24? Non, 22, le problème c'est que le monsieur les mange en allant, alors ça fait tout de suite un petit peu moins, vous comprenez? Ah oui, d'accord. Voilà, 22 truites pour Bellegarde, 25 pour Aix, léger avantage pour Aix sur ce fil rouge. Merci beaucoup Thierry, vous êtes en compagnie de monsieur le maire. Oui, je suis en compagnie de monsieur Gérard Armand qui est le maire de Bellegarde sur Valserine. Bonjour monsieur le maire. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez nous présenter votre région et votre commune? Je serai beaucoup plus modeste que monsieur le maire d'Aix-les-Bains. J'ai beaucoup moins de choses à dire sur ma ville. Ma ville, c'est une ville de 12 000 habitants qui est essentiellement industrielle, avec un vieux passé industriel.
qui doit se défaire de beaucoup de problèmes financiers actuellement. C'est une ville aussi sportive, qui connaît beaucoup de sportifs au sein même de sa ville. Elle a bien sûr pas un lac, mais elle a le Rhône, elle a la Valserine. C'est une ville qui a beaucoup d'espoir pour essayer de remonter la pente et qui, à l'occasion de cette interville, a souhaité montrer qu'elle était capable de faire face à ce défi. Ce défi grâce à, aidé bien sûr par le département, par la région, le département de l'Ain. Je suis conseiller général du département de l'Ain. J'ai près de moi le président du conseil général de l'Ain qui nous a beaucoup aidé. Merci monsieur le maire. Et nous allons... Comment tu t'appelles ? Thibaut. Thibaut, alors c'est toi qui as commenté le film de Bellegarde sur Valserine ? Oui. Bien écoute Thibaut, on va regarder donc le film de cette ville, Bellegarde sur Valserine, qui pour l'instant mène au score dans cette interville 97. Ma ville, c'est Bellegarde sur Valserine. Avec ses 12 000 habitants, elle est la troisième commune du département de l'Ain, à 40 km de Genève. Son nom chante comme la Valserine qui se jette ici dans le Rhône après s'être perdue de façon impressionnante dans des calcaires profonds. Les pêcheurs y trouvent leur bonheur et ses rives sont très fréquentées par les randonneurs. Ici, les restes de la centrale électrique qui a permis à notre ville d'avoir un éclairage public à l'électricité dès 1884. Là, c'est mon collège. C'est un complexe de 3000 élèves de la 6e au BTS qui comprend également un lycée professionnel et un lycée hôtelier. Ce pôle de formation permet aux entreprises de la région de trouver leurs techniciens sur place. Bien sûr, j'aime les loisirs. Avec près de 80 associations culturelles et sportives, il y a de quoi faire. De nombreuses activités, des spectacles, des manifestations et maintenant un festival annuel de la BD. Mentières, c'est notre station été-hiver. C'est là que j'ai appris à faire du ski. L'été, on pratique la randonnée, le VTT, l'équitation et maintenant le dévalcarte. Bellegarde sur Valserine, c'est facile. Le TGV arrive direct de Paris et l'autoroute aussi. Et bien voilà, Jean-Pierre, cette belle région de Bellegarde sur Valserine, où il fait bon vivre et où il fait bon manger aussi, car on y mange très bien les truites, les quenelles, etc., etc. Merci. Nous allons donc voter soit pour Bellegarde, soit pour Aix-les-Bains. Vous votez pour votre film préféré. Vous pouvez gagner des petits animaux virtuels en tapant sur votre Minitel 3615 code TF1 ou en téléphonant dès maintenant au 08 36 66 18 08. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est important parce que vous savez, un point ça compte. Eh bien sûr. Olivier. Oui. Olivier. Eh bien, en attendant que Nathalie ne nous rejoigne, on va dire que Nathalie ne va pas pouvoir courir ce soir parce que... Docteur, où êtes-vous ? Qu'est-ce qu'elle a alors, Nathalie ? Un petit... Eh bien, écoutez, Nathalie s'est fait une entorse assez importante en descendant sur le plan tout à l'heure qui glissait, donc une entorse assez importante. On est en train de lui faire ce qu'on appelle un strapping. Les gens de la Croix-Rouge s'en occupent très bien. Et elle va venir vous rejoindre pour le plaisir de tout le monde. À côté de vous, Jean-Pierre, pour cette semaine. Et j'espère bien que la semaine prochaine, tout ira bien et qu'on la retrouvera sur le terrain à mes côtés en train de courir. Il n'y aura pas de problème. On peut d'ailleurs l'applaudir très fort, oui, Nathalie. Oui, merci. On l'applaudit très fort. Ah ben là voilà. La voilà avec sa nouvelle chaussure au pied droit. La voilà. Alors, vous pouvez parler au moins, Nathalie, non ? Oui, oui, non, mais je ne me suis pas fait une luxation de la langue. Hein. Je me suis fait une luxation de la cheville, apparemment. Alors, ça va m'empêcher de cavaler, mais ça ne m'empêchera pas d'être là pour vous raconter ce qui se passe après. Ah, d'accord, d'accord. Alors, Nathalie, merci. Venez vite nous rejoindre, vous asseoir. Et vous allez assister au spectacle. Regardez, allez, Nathalie Simon, de la part de Bellegarde. Alors que nous allons le faire en feu d'artifice à la fin, voilà. On s'excuse. Voilà, parce que du côté de Bellegarde sur Valserine, on a du cœur. Nathalie, monsieur le maire d'Aix-les-Bains a une déclaration officielle à vous faire, monsieur le maire. Oui, Nathalie, une cure de 21 jours à Aix et une remise en forme. Vous repartirez. Nickel. Aix-les-Bains vous invite ici. Bravo.
pour une cure de 21 jours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. On va porter un siège à Nathalie. Olivier, Sacré Rosa, la machette. Oui. Sacré Rosa est un jeu qui vous va droit au cœur, je le sais, Jean-Pierre. Vous connaissez le principe. Six vaches derrière moi qui devront s'approcher selon le parcours que je vais vous montrer tout de suite en passant sur ce tapis chamelier en allant droit vers l'arène. Voilà. Et bien sûr, vous avez vu, les vaches sont un peu engoncées dans des bibindums. Ils rentreront dans l'arène. Les plus rapides pourront se positionner sur des plots le plus loin possible de la vachette, car vous le savez, nous lâcherons la vachette. Et le bibindum, la vache plutôt, qui restera la dernière sur le podium, rapportera un point à son équipe et les dés seront lâchés. Vous le savez, deux dates de naissance que Jean-Pierre rentrera bien sûr dans l'ordinateur. On verra ça plus tard. Bien tout sûr. De suite. Le départ de Sacré Rosa, Nathalie. C'est bien expliqué, Olivier, mal, bravo. Il est pas mal, enfin bon, il est moins clair que vous. Quand même. Merci, merci. Alors, le départ, soyez prudent, Olivier, sortez avec votre caméraman. Ah, j'ai eu peur. T'es prêt à lancer le départ, Olivier? Vas-y, Nathalie, 3, 2, 1, top, c'est parti. Sacré Rosa et votre date de naissance et la possibilité tout à l'heure de gagner, bien sûr, 30 000 francs avec notre partenaire. Allez, allez. La première vache s'installe et prend le plot le plus éloigné de la vachette. Alors qu'on apporte un siège d'époque à Nathalie. Voilà, vas-y. Allez, on y va. Ah, il y a des difficultés à franchir la route boutonneuse. Voilà, le dé pour Bellegarde. Attendez, on va aider les deux dernières vaches de Bellegarde. Viens, oui. Viens là, mon pépère, viens. Voilà. Et ça roule, et ça roule. Et ça roule pour vos vaches et pour les nôtres. Oui, oui, tout va bien. Les trois vaches d'Aix sont déjà dans l'arène. Vous l'aviez noté, Thierry, bien entendu. Bien évidemment. Vous l'aviez noté. Ça ne m'avait pas échappé. Et pendant que les dernières vaches se positionnent sur les flots, Jean-Pierre, j'aimerais m'approcher de Michel Agruma, vous savez, oui, qui s'occupe bien sûr tout au long de l'année des vachettes d'Interville, afin qu'il nous explique qu'il n'y a aucun problème avec les vachettes. Quand elles montent sur les plans inclinés, elles ne se font pas mal. Alors, les biches un petit peu, mais ce n'est pas grave. Voilà, il n'y a pas de problème pour toutes les vachettes, la dernière vachette. En revanche, pour Nathalie, lorsque elle monte, elle se fait mal. Enfin, mais ça n'est pas une vachette, Jean-Pierre. Bien entendu. Merci, Olivier. Je t'en vaudrais ça. Attention. Attention, nous allons lâcher la Rosa. Attendez, il y a une vachette qui n'est pas sur son plot. Et la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée. Et une vachette n'est pas sur son plot. Alors, si vous voulez que la vachette aille dans les tribunes, vous nous le dites. Il n'y a pas de problème, ça va être fermé tout de suite. Michel, nous allons lâcher Rosa, la fameuse Rosa d'Interville, pour un point en jeu. 3, 2, 1, on y va. Oh là 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 là, elle est sortie. Oui, on lâche le dé, on sort. Il n'a même pas touché, il est tombé déjà. Bon, mais très bien. C'est Aix. Et là maintenant. Oui. Il reste deux vachettes pour Aix, une pour Bellegarde. Attention, c'est important, la dernière qui reste marquera le point. C'est très très important. Oh là, il nous a évité de justesse. Non, ça c'est un cadreur, mademoiselle, la vachette. Ça n'est pas une vachette, ça n'est pas une collègue. Oui, elle hésite, elle cherche. Il est tombé tout seul. On lâche encore une vachette pour chaque ville. Lâchez le dé, monsieur. Monsieur. Il reste une vachette dans chaque camp. Il y a des moments où quand la vachette arrive, ça fait peut-être un peu peur. Oui. Allez. Il reste une vachette dans chaque camp, alors que la vachette ne suit pas votre injonction, Olivier. Et c'est Aix, c'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour Aix. C'est Aix. Michel Laurent. Eh oui, Jean-Pierre. On va rentrer la fameuse Rosa. Eh bien, bravo. C'est la ville d'Aix-les-Bains qui a remporté le point et fait gagner au candidat d'Aix-les-Bains un abonnement d'un an au magazine Télé Loisirs. Et figurez-vous, Jean-Pierre, que non seulement elle a fait gagner Aix, mais elle permet à Aix d'égaliser 4 partout. Eh oui, c'est merveilleux. Eh bien, voilà le match qui est relancé. Est-ce qu'on peut dire à la vachette que c'est terminé, s'il vous plaît, Olivier? Excusez-nous, nous avions oublié, justement. Elle rentre tranquillement, vous le voyez.
Elle rentre. Oh oui, elle rentre, façon de parler. Elle va essayer de rentrer. Oui, elle va essayer de rentrer. Mais qui c'est qui l'a fait rentrer là? C'est une. C'est la maman. Ah, voilà. C'est la maman. Ah, c'est la maman. Jean-Pierre, si ça ne vous ennuie pas, ça ne je devais vous donner, vous savez, les dates de naissance sur les dés. Mais étant donné que la vachette traîne dans le coin, je vais peut-être proposer que vous fassiez un petit quelque chose et je vais regrouper les dés après. Non, Olivier, tu vas dans l'arène et tu comptes les dés, s'il non, te non, plaît. Non, non, mais elle va rentrer. Oui. Elle va rentrer, bien elle sûr. Va rentrer avec sa maman, voilà. Rentre à la maison. Voilà, voilà gentil, vachette. Gentil. Ah ben, voyez, Thierry, vous écoute. Mais voilà, il suffit de le demander. Merci. Voilà. Donc, dans l'ordre des deux dates de naissance, je vous précise tout de suite que ces deux dates de naissance entrées dans l'ordinateur permettront à celui-ci de sortir une date de naissance qui sera peut-être la vôtre. Alors surtout, vous ne bougez pas. Tout de suite après la pause que nous allons marquer dans une seconde, mais d'abord on va noter les dates. Eh bien, si c'est votre date de naissance qui sort, vous pourrez téléphoner et gagner les 30 000 francs offerts par notre partenaire. Olivier, la oui. première date est... On oui. y est presque, on y est presque, on y est presque. Mais là, il fait tout seul. Hein. Ah ben oui, vous faites défaut. Hein. Ah, vous voyez, elle me manque déjà. Eh oui, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Ah, c'est vous connaissez ça. Voyez, hein. Thierry, avec Jean-Mimi, vous connaissez ça, une idylle. Bien sûr, bien sûr. Alors, la première date, Jean-Pierre. Oui. C'est le 08-09-73. D'accord. Ça compte pas, hein. Vous ne téléphonez pas pour l'instant. D'abord, je ne vous ai pas donné le numéro de téléphone. Ce sont les dates qui vont nous permettre d'en faire une autre. Et la deuxième date, c'est la deuxième date, c'est le 03-10-72. On va mélanger ces deux dates de naissance dans un instant. Et si c'est la vôtre qui sort, alors là, vous pourrez téléphoner. A tout de suite pour la suite de l'interview. Hein, Nathalie, c'est bon aussi, hein. C'est bon. Ce soir avec Thierry Roland. Oui, et Jean-Pierre Foucault. Olivier Chiabodeau. Et Nathalie Simon. Et son célèbre bandage à la cheville droite. N'est-ce pas, ma chère Nathalie? Oui, merci. J'espère que très vite ça va aller mieux. Votre date de naissance? Alors, 08 09 73. Est-ce qu'elle est affichée? Oui. Elle est affichée? Oui. Bien. Bravo. Et donc, je l'enlève. Et j'entre à la deuxième date, 03 10 72. Elle est affichée? Oui. Oui. C'est parti. Attention. Si votre date de naissance sort, eh bien, on mélange les deux. Ça marche pas? Il faut rappuyer. Ça marche pas. Je rappuie. Ah non, c'était trop beau. Ça a marché. Ah, ça avait bien commencé. Hein. Ça a marché pendant tout. On recommence tout. Allez, allez. Si vous voulez qu'on recommence tout. Oui, on recommence. Alors, c'est bien. Si vous voulez qu'on mélange, je peux secouer la tête. On marche n'importe quoi hein, comme numéro, non? Alors, 08. On va rester là. 09. Vous avez la soirée? 73. On l'affiche. C'est bon? Merci oui, beaucoup. C'est bon. 03 maintenant. 03. 10. 72. On affiche. Merci. C'est... Et c'est parti. Jusqu'à présent, est-ce que ça marche. Est-ce que ça tourne? Ça ne tourne pas. Non. Je vous remercie beaucoup. C'est merveilleux. Donc, est-ce que notre huissier peut nous donner une date de naissance mélangée, s'il vous plaît? Pendant le défi. Pendant le défi, vous... Écoutez, qu'est-ce que je vous dis? Vous y connaissez une troisième fois? Non, ce que je peux faire, Jean-Pierre, si vous voulez, c'est vous rappeler le score rapidement. S'il vous plaît. Car il y a une égalité parfaite. C'est très rare à ce stade de l'émission. Il y a 4 points pour Aix-les-Bains et 4 points pour Bellegarde. Alors, égalité parfaite. Et puis moi je vais, vous rappeler, je vais vous rappeler Jean-Pierre que la ville qui va remporter le plus de défis ce soir permettra à l'association Pas d'enfants sans vacances, si chère au cœur de Guilux, de recevoir un chèque de 10 000 francs qui sera offert par les supermarchés Stock. Donc ça il faut le dire. Alors je ne peux pas présenter les candidats malheureusement, mais Olivier, je crois que tu te feras un plaisir de nous les présenter, de nous présenter celui qui arrive en premier au défi. Alors on va lancer, je crois, Jean-Pierre, le défi. Oui, bien sûr. En attendant que les numéros se mélangent. Olivier. Exactement, Nathalie, on va donc demander à nos deux candidats de se préparer. Je rappelle bien sûr qu'on ne cède pas des genoux, donc on croise les pieds, on se prépare et je donne le départ. Vous avez une minute, vous le savez, on se retourne, ils sont juste derrière nous. Préparez-vous les garçons, allons-y, on se prépare, vous avez une minute, prêt, croisez les pieds, remontez les pieds, voilà, 3, 2, 1, go! Et le candidat Aix revient. Allez, Bellegarde, allez. Croise les pieds, Aix. Croise les pieds, Aix. Attention, Bellegarde. Aïe, 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 aïe. Attention, Bellegarde. Allez, Bellegarde. Allez, Bellegarde. Croisez les pieds tous les deux. Croisez les pieds.
tous les deux. Allez, Bellegarde. Dans les pieds. Et Bellegarde. Non. Croisez les pieds, Bellegarde. Eh, il faut croiser les pieds. C'est dernier coup de collier pour Aix, vas-y. Allez. Attention, Aix, c'est un bel coup. Top. C'est pour nous. Oui. Bravo. Voilà. Bon match. Alors, ben justement, nous allons faire connaissance avec le candidat, viens près de moi, d'Aix, tu t'appelles ? Fabien. Fabien, et tu fais quoi dans la vie, Fabien ? Étudiant. Étudiant. Je préfère mon professeur d'éducation physique. Voilà, et bien écoutez, c'est pour ça probablement qu'il est arrivé en premier en haut du défi. Il rapporte donc un point à la ville d'Aix qui prend l'avantage. 5 pour Aix, 4 pour Bellegarde. Et vous qui nous regardez, vous le savez, eh bien, le trophée du meilleur grimpeur sera remis eh bien, grâce à notre partenaire à la finale tout début septembre. Et puis j'aimerais vous dire à vous qui nous regardez, si vous êtes sensible à l'association Pas d'enfants sans vacances, eh bien Intervilliers sensibles, n'hésitez pas, vous pouvez appeler tout de suite à un standard téléphonique, ça n'a rien à voir avec le jeu des films. Notez bien, c'est le 01 48 33 44 55. Allez-y, les enfants ont besoin de vous. Merci de votre bon cœur. Un autre numéro de téléphone, puisqu'enfin, ça y est, une date de naissance est affichée. Si c'est la vôtre, si vous êtes donc né, regardez bien, le 30 décembre 83. 30 décembre 83, très vite, vous appelez le 01 49 99 22 22, 01 49 99 22 22. La première personne née le 30 décembre 83 gagnera 30 000 francs offerts par le magazine Télé Loisirs. On attend très très vite vos appels. Ça va Nathalie ? Ça va, ça va. Bon, bah écoutez, merci. Reposez-vous bien, nous allons assister à une cure de jouvence avec cette fontaine qui porte le même nom, Olivier. Exactement, cette cure de jouvence. Regardez, je suis ici sur le Toril, Jean-Pierre, Thierry. Ouais. Et regardez, deux grandes bouteilles d'eau. À ma droite, la bouteille de Bellegarde, avec ici l'étuve, graduée bien sûr pour Bellegarde. Et à ma gauche, la bouteille d'Aix, avec, même chose, l'étuve, graduée pour Aix en bleu. Alors, regardez un petit peu. Non, pas, excusez-moi mademoiselle, vous êtes Rosa. Regardez un petit peu. Aix ainsi que Bellegarde, les candidats sont munis d'un seau sur la tête, fixé sur un casque. Ils vont devoir courir. Venez avec moi. Hop là. Mais donc Olivier, attention. Normalement l'eau doit donner la forme. Tu n'en as pas bu assez. Comment ça ? Ah oui. Bah, oui, parce que tu m'as l'air d'être un petit peu essoufflé. Mais non, mais c'est de l'eau des montagnes. Oui. Voilà, alors regardez, ils vont devoir venir ici, à la fontaine, pour remplir les godets qu'ils ont sur la tête. Une fois que les godets sont remplis, ils se dépêchent. Hop, 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 hop. Vous avez vu, je fais Nathalie. Hop, 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 hop. Et nous montons les escaliers de la montagne, n'est-ce pas ? Afin de purifier l'eau, bien sûr. Ensuite, nous allons vite, parce que nous sommes dans la montagne. Nous passons sous le tunnel. Venez avec moi par ici. Et on se dépêche. On se dépêche car on doit rapporter, bien sûr, le maximum d'eau eh bien, dans les tubes plus de vite, notre équipe. Plus vite, Olivier. Plus vite, Olivier, plus vite. Cours. Vous avez vu un peu comment elle me traite ? Elle a raison. Regardez, c'est ici, ça la vengeance. On remplit donc les tubes la vengeance d'Aix en bleu et de Bellegarde en jaune. C'est bien sûr l'équipe qui aura apporté le plus d'eau ici dans leurs étuves qui remportera les deux points de la victoire de ce jeu. Mais je crois découvrir le capitaine de Bellegarde. Y a-t-il un problème avant de commencer ? Non, pas de problème. Simplement que Bellegarde, troisième ville du premier département des Français, a décidé sur ce jeu de jouer son joker contre nos amis d'Aix-les-Bains. Ah, très important car vous le savez, le joker double les points de ce jeu. Donc si Bellegarde gagne, ça veut dire 4 points supplémentaires. À ce moment-là, vous passeriez en tête. Mais je crois avoir aussi... Attendez, mais on a, vous avez une visite là aussi, Olivier. Oui, oui, il y a... Alors voilà le joker. Bonjour mademoiselle. Et voilà le capitaine d'Aix. Vous jouez également votre joker ? On joue aussi le joker, on est une ville très sportive, on va relever le défi et puis les battre. Alors écoutez Jean-Pierre, je crois que c'est la première fois depuis que nous avons la chance tous ensemble de faire Interville, donc depuis 3 ans. Quand on joue le joker sur le même jeu. Oui, exactement. Alors en tout cas, que le meilleur gagne, serrez-vous la main. Et là, nous comptons sur un arbitrage top. Non mais attendez, dites donc Thierry. Un arbitrage de grande qualité. L'arbitrage n'est-il pas top habituellement ? Oh, ça dépend. Oh Thierry, on va en parler après. J'ai quand même oublié de dire que dans ce jeu, il y aura bien sûr dans l'arène une vachette. La vachette, Michel, on la lâche. Préparez-vous pour le premier départ. 3, 2, 1, go. Ah non, mais attendez.
attendez. Oui. Attendez, il y a un truc qui va pas du tout dans votre affaire là. Quoi? Attendez, on retourne la machine. Monsieur Bellegarde. Voulez-vous rentrer la vachette? Non, attendez. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, la vachette bouge la montagne. Non. Attendez, vous nous prenez pour débile. Qu'est-ce qu'il a? Mais vous avez vu cette affaire? Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, papy? Ne vous inquiétez pas. T'as pas pris tes gouttes? Non, mais vous faites pas. Faites rentrer la vachette. Mais non, mais entrez vous si vous voulez. Non. Attention, Thierry. Si vous avez un problème, Thierry, allez-y. Entrez, Thierry. Non. Que se passe-t-il? Je vais vous expliquer. Vous avez qu'à entrer, Thierry. Je vais vous ouvrir la porte si vous voulez. Non. On va attendre un petit peu. Mais non, entrez. Je vais vous expliquer. Il y a un petit problème. C'est que le camp d'Aix, quand il passe sous la montagne pour aller à sa bouteille, elle est juste en face. Tandis que nous, il faut qu'on traverse tout le terrain pour aller à la bouteille de Bellegarde. Non mais vous rigolez ou quoi? Alors, vous avez à aller tout droit et nous, il faut qu'on fasse tout le tour du terrain. Mais vous nous prenez pour un jambon. Exactement, on vous prend pour ce que vous êtes, mon cher Thierry. Alors, vous êtes gentil. Monsieur l'arbitre, ça va pas du tout, cette affaire. Non mais attendez, entrez donc. Bon, elle est partie, voilà. Non, attendez, rentrez la machette. Allez-y, top à la machette. Top à la machette. Écoutez-moi. Michel Aguilar, top à la machette. Non, pas la machette. C'est Thierry. Mais non, c'est la maman. Top à la machette. Non, mais je veux pas de la maman. Vas-y, mais c'est la grand-mère. Bon, alors. Vas-y, je vais vous la présenter. Oui, mais. Vous voulez que je la présente? Gentil. Bon. C'est une amie. Elle est gentille. Bon, alors écoutez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Je vous dis que Aix-en-Provence. Aix-les-Bains. C'est une honte. Il ne sait plus ce qu'il dit. Il a perdu la boule. Comment voulez-vous écouter un homme qui ne sait même pas où nous nous trouvons? Oui, Aix-les-Bains, ils sont passés sous la montagne pour aller à leur bouteille, elle est juste en face. Vas-y. Ils n'ont pas de chemin à faire. Ils vont tout droit. Tandis que Bellegarde sur Valserine, ils sont obligés de traverser tout le terrain pour aller à leur bouteille. Jean-Pierre, s'il vous plaît. Pas du tout. Jamais, lorsque j'ai porté une réclamation, je n'ai obtenu satisfaction, alors que je le méritais. Je ne vois pas pourquoi, alors que vous ne savez même pas où nous nous trouvons, alors que nous sommes à Aix-les-Bains et non pas à Aix-en-Provence, vous auriez satisfaction. Écoutez, le problème est réglé. Jean-Pierre, attendez. Ici, Aix-les-Bains, attendez, vous connaissez. Attendez, l'affaire est claire, Jean-Pierre. Oui. Je connais votre grande sportivité, alors que celle de Thierry laisse à désirer, on le sait. Alors, est-ce que oui ou non, les gens de Bellegarde sur Valserine, je précise, ont plus de chemin à faire, oui ou non? La réponse est non. La réponse est oui. Non. Mais si, attendez, écoutez-moi, nous allons vous faire plaisir, car je sais que Jean-Pierre est un garçon fair-play à l'OM, c'est comme ça, on le sait. C'est vrai. Nous allons donc mettre un point de passage obligatoire. Une fois que les jeunes gens, que ce soit de Aix ou de Bellegarde sur Valserine, auront rempli leur godet d'eau, ils devront passer obligatoirement par un point central que nous allons fixer. Marc, merci de nous le lancer, je le mettrai en place. Voilà. Et ensuite, ils iront d'abord monter l'escalier et ensuite passer dans le tunnel. Ça me paraît légal. Voilà, on est d'accord, Jean-Pierre? S'il vous plaît, voulez-vous vous pousser? Oui. Chers téléspectateurs, je vous prie d'excuser cet incident de Thierry Roland, indépendant de notre volonté. Non, mais c'est vrai. Excusez-le, vous savez, il est plus... Allez. Oui, on n'est pas encore couché. Allez, messieurs, nous sommes d'accord, Thierry, comme ça. Top à la machette. Comment ça, non? Nous sommes d'accord. Oui, on est d'accord. Ah bon, très bien. Mais il ne faut pas nous faire des coups par... Revenez quand vous voulez, merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons pouvoir lâcher la machette. Attends, sors de l'arène, Olivier, quand même. Oui, et je sors surtout. On va qu'il y ait un deuxième blessé, quand même. Ça suffit. Attention. Avec moi. Michel, oui, merci, Matt. Ah, on y va. Sûr. 3, 2, 1, go, go. Vous savez, à Bellegarde, vous pouvez faire la place Thierry Roland, hein, avec ce qu'il vous donne. Allez. Ou l'impasse Thierry Roland, plutôt, pardon. Allez, récupérez de l'eau. Vachette se promène. Les équipes sont courageuses de part et d'autre. Allez, Bellegarde! Yes. Alors que la vachette en veut à l'homme d'Aix-les-Bains. Deuxième bouteille
de Bellegarde en piste. Bellegarde donc a un léger avantage, mon cher Thierry. Un petit avantage, mais pas grand chose. Tiens, je croyais que vous aviez davantage de parcours à faire. Ah ben, ça allait vous gêner. Non, mais maintenant, ça a été régularisé. Oui. Allez, monsieur Bellegarde, remplissez vite votre saut. Non, vous n'avez pas le droit de sortir, Rex. Restez dans l'arène. Pour l'instant, la vachette en veut à un ami de Bellegarde. La vachette a envie de prendre un bain, peut-être. Tranquillement, notre ami de Bellegarde. Ouais. Attention, Bellegarde, oui, c'est est bien. En haut de la montagne. Il est en haut de la montagne et il supervise l'affaire. Il joue très intelligemment. Nous allons neutraliser deux secondes pour changer la vachette qui a l'air tétanisée. Michel, on change la vachette, Michel, s'il vous plaît. On change la vachette. Ouais, elle a l'air tétanisée, mais t'as qu'à descendre pour moi si elle est tétanisée. Très bien. Monsieur de Hex, vous êtes remplacé, vous revenez par là, on lance un deuxième candidat de Hex. Allez-y. Allez. Allez Olivier, descend. Oui, ça y est. Allez monsieur de Hex, allez-y. Allez, vas-y. Bravo. Allez. Attends. Une petite cure pour la vachette. Oui, go. Et un curiste dans l'expectative. Et c'est le troisième candidat de Bellegarde sur Valserine qui est... Oh là 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 là, il a des petits ennuis. Oui, oui, oui. Oh, il prend le tunnel en mousse-poil. C'est un combat sous un tunnel épique auquel nous assistons. Voilà. Et les deux candidats ne manquent pas de courage. Allez, mets-toi sous l'eau. Mets-toi sous l'eau. Enfin, sous l'eau qui coule. Allez, monsieur le Gédon. Monsieur de Hex, vous n'avez pas le droit de rester sur la montagne. Allons-y, monsieur de Hex. Non, non, mais on a le droit de rien faire, non, c'est pas compliqué. Écoutez, règlement, article A, les gens d'Hex, les bains n'ont le droit de rien faire. Non, non, monsieur Jean-Pierre. Article B, à Bellegarde. Non, mais c'est vrai. Oui, attention. Là. Allez, vas-y. Vas-y, Bellegarde. Bellegarde, on n'a pas le droit de rester là-haut. Vas-y, vas-y. Attention. Bien joué, Bellegarde. Go. C'est tout. Allez, Bellegarde. Un autre départ, une vachette. Hex les bains, vous pouvez récupérer de l'eau. Jean-Pierre et Thierry, pour les deux équipes, vous pouvez récupérer de l'eau dans la piscine si vous voulez ramener plus d'eau. Nous sommes d'accord. On peut récupérer Hex. Vous pouvez récupérer, Bellegarde, vous pouvez récupérer de l'eau dans la piscine. Hex récupère de l'eau dans la piscine, plonge. Vous pouvez plonger dans la piscine, Bellegarde. Hein. Deux minutes, pardon, dis deux minutes. Vas-y, récupère de l'eau dans la piscine. Allez, Bellegarde, reviens. C'est bon, c'est bien. Non, change, monsieur Bellegarde. Monsieur Bellegarde, vous rentrez pas dans l'arène. Vas-y, Hex. Non, Bellegarde, vous devez sortir de l'arène, monsieur Bellegarde. C'est fini, Bellegarde. Allons-y. Allez, suivant. Vous n'avez pas le droit de sortir de l'arène. Allez, Bellegarde, tu plonges dans l'eau, hein. Tu peux remplir comme ça. Allez. Allez. Allez, vas-y. Vous pouvez plonger dans la piscine, ils en ramèneront plus, Thierry. Oui, oui, ils peuvent plonger. Allez, vas-y, Bellegarde, plonge. Bellegarde, allez, vas-y, plonge dans la piscine. Voilà, voilà. Allez, deux autres candidats. Go, Hex, les bains, on y va. Hex, on y va. Allez, Bellegarde, tu plonges dans la piscine. Pour remplir. Voilà. Voilà. Encore, encore, encore. Encore, il n'y en a pas assez là-dedans. Encore une fois, on assiste à une évolution du règlement. En cours. Et l'ex-soir. Allez, Bellegarde. Doucement, tu perds ton eau, Hex. Doucement, doucement. Baisse pas la tête, Hex. Ne baisse pas la tête. Bien joué. Bien joué, Hex. Allez, allez, Bellegarde, vas-y. Allez, allez, allez. Voilà. Attention, l'eau tempête. Oh là. Redresse la tête, Hex. Oh là là, il ne peut plus rester lourd. Hein. Ah non, il faut recommencer. Allez, reprendre l'eau. Allez, Bellegarde. C'est une vachette un peu plus nerveuse. Oui, 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 oui. Et Hex arrive joli. Doucement, doucement l'eau, doucement l'eau. Vas-y, vers cela. Allez, Bellegarde. Ah ouais, là, c'est un paquet. Ah, c'est pas grave, le flot. On va le remettre. Une minute. Allez, Bellegarde. Allez, Bellegarde, vas-y. Attends qu'elle soit descendue du... Ouais. Vas-y, fonce! Fonce, Bellegarde! Allez, Bellegarde! La vachette joue au toboggan. Aïe, 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 aïe! Ah, mais
ils ont déplacé le temps. Bah, je vais le remettre. Ils ont déplacé. Allez, demande à la vachette de le remettre. Ah ben là, c'est plus jouable. Hein. Descendez. Il faut regarder où on est long à ce moment-là. Hein. Oui, mais j'ai bien regardé, mon cher Thierry. Ah, ben j'espère bien. Allez, descendez les deux dans l'arène. Montez. Non. Non, mais attendez. 20 secondes. Allez, Bellegarde. Allez, on se dépêche. Attention. Un autre de Bellegarde. Un autre de Bellegarde index. Allez-y. Il reste... Allez, Bellegarde, le dernier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Stop. Michel, on rentre la machette, s'il vous plaît. Et nous allons regarder tout de suite. Ça a été laborieux, mais difficile. Ah oui, difficile. Nous allons regarder tout de suite. Nous rentrons la machette. Et nous allons regarder tout de suite les étuves. Pour voir ce qui se passe pour chacune des deux équipes. Je vous rappelle que le joker a été joué pour les deux équipes. Oui. Et donc, les points attribués à la fin du jeu seront doublés, quoi qu'il arrive. Très important. Pour Aix les bas. Regardez, il y a une graduation et presque, je ne dis pas tout à fait, mais presque, une unité. On est bien d'accord, vous avez vu. Nous passons du côté de Bellegarde et nous voyons qu'il y a une graduation et une unité. Ce qu'il veut dire. Égalité. Effectivement, vous avez très bien compris, Jean-Pierre. Égalité. Il y a égalité. Mais bien sûr. Ce qui veut dire qu'il y a un point d'attribué pour Aix et un point pour Bellegarde. Et l'on double parce qu'il y a un joker de chaque côté, deux ce qui veut dire deux partout. Points de plus pour Bellegarde, ce qui fait 6 points pour Bellegarde et 2 points de plus pour Aix, 7. Mais c'est Aix toujours qui a l'avantage, 7 contre 6 pour Bellegarde. Match voilà. Nul. Match nul. 6 pour Bellegarde, 7 pour Aix. Nathalie, vous êtes maintenant du côté du fil rouge. Oui, Jean-Pierre. Assise, n'est-ce pas? Oui, on m'a porté. C'est royal, regardez, ce soir. On va regarder en attendant le ralenti. Regardez, le ralenti que nous présente Gilles. Regardez la vachette qui n'hésite pas à jouer au toboggan, sans mal, je le précise une nouvelle fois. Mais la vachette aquatique, c'est spectaculaire. Hein. Oui. Écoutez, je ne sais pas si la vachette serait heureuse ici, car ça sent le poisson et je ne suis pas sûre que les vaches aiment le poisson. En tout cas, c'est royal, on m'a porté jusqu'au fil rouge et on m'a maintenant servi une truite crue et je vais goûter en direct pour vous de la truite crue. C'est excellent, excellent. Ça doit être bon, hein? Ah ouais, c'est un remède de cheval pour la cheville, il n'y a rien de tel. Alors, à ma droite, c'est l'équipe de Bellegarde qui a 44 truites et à ma gauche, c'est l'équipe d'Aix qui en a 45. Donc pour l'instant, l'avantage est d'une truite pour Aix. Ah oui, mais on est remonté, hein, parce qu'il y avait presque deux truites de retard. Oui. Et vous avez deux truites de retard. vous êtes vache, j'entends. Eh bien, s'il vous plaît, nous allons maintenant retrouver le célèbre ventre-glisse. Eh oui. Ah là là, une des disciplines vedettes de cet été sur Interville. Olivier, des candidats, bien entendu, adultes et enfants. Exactement, une discipline qui est chère à Yves Launois, le ventre-glisse. Alors, vous le savez, 3 départs, 2 candidats par équipe. On commence par des adultes, un départ d'adulte, ensuite 2 départs des enfants. Et c'est bien sûr l'équipe qui aura remporté 2 des 3 départs, qui remportera 1 point pour son équipe. Peut-être l'égalisation pour Bellegarde, on le saura dans un instant. Vous êtes prêts? Alors, je vais me positionner là-bas. On rappelle quand même que le record est détenu par un puits follet, 32 mètres au ventre-glisse. Premier départ, 3, 2, 1, go! Il est parti, il y a une vitesse. Stop! Attendez qu'on marque. Voilà, ici. Pas mal. C'est bon. On va venir voir. Donc, vous êtes de Bellegarde, hein? On est bien d'accord. Départ maintenant pour Aix, go! Eh non, il en manque un peu. C'est Bellegarde. On y va pour le départ des enfants. 3, 2, 1, go. C'est Bellegarde. Allez. Maintenant. Allez, petit Bellegarde. Allez. Oh, c'est court, ça. C'est court. Ici pour Bellegarde. Merci. Ça va, ma belle? T'as eu du mal à glisser? Tu t'appelles comment? Émilie. Bon, peut-être Emily. Que tu vas gagner quand même. Ben oui. Le départ maintenant pour Aix. Go. C'est battu. Eh oui, c'est battu.
s'est battu. Ce qui veut dire que c'est ce départ, ce dernier départ, qui va permettre d'attribuer le point soit à Bellegarde, soit à Aix. Et Nathalie, on peut l'applaudir, est au départ du ventre glisse. Comment tu t'appelles? Bonissa. Bénissa. Bénissa. Alors maintenant, il va falloir que tu cours et que tu t'élances. Allez, vas-y. Allez, Bénissa, on compte sur toi. Tout Bellegarde compte sur toi. Allez, c'est pas mal, ça. C'est bien, Bénissa. Ouais. Bien joué, c'est vrai. Ouais, c'est bravo. Fait, Thierry. Bravo, pour l'instant... C'est pas mal, tu... Bénissa. Si la candidate ou le candidat d'Aix ne te bat pas, c'est grâce à toi que Bellegarde aura un point de plus et égalisera contre Aix. On est bien d'accord? T'entends ce d'Olivier? Comment tu t'appelles, toi? Nathalie. Comment? Anthony. Anthony, il est tétanisé, Anthony. Allez, file, mon grand, c'est parti. Allez, Anthony. Anthony, pour Aix. Ah non, il en manque un peu. Il en manque un peu. Nous l'acceptons, nous l'acceptons. Eh bien voilà, c'est grâce au petit bonhomme. C'est grâce à Bénissa. C'est grâce au petit bonhomme qui est sur mes épaules que Bellegarde égalise 7 partout. Bravo. Quel match, et ça n'est pas terminé, Thierry. C'est un match épique. Hein. Car il y a d'autres épreuves, bien entendu, sportives. Et il y a les fameuses questions. Et vous avez raison, il y a les fameuses questions à la fin de l'émission. Un terminé, pas terminé. De notre monde, dans quelques instants, depuis la Savoie Aix-les-Bains, pour cette courte pause. A tout de suite. Serine et Aix-les-Bains, nous sommes en Savoie avec des appels que nous attendons de votre part pour voter pour le film préféré, soit pour Bellegarde, soit pour Aix-les-Bains, en appelant le numéro qui s'inscrit maintenant ici devant vous. 08, merci mon Gilou, 08 36 68 18 08 ou 36 15 code TF1, 08 36 68 18 08, vous dites soit Aix-les-Bains, soit Bellegarde bien entendu, et ce point sera utile à l'une des deux équipes en fin d'émission. Olivier, rappelle des scores s'il vous plaît. Bien, le score, une égalité parfaite, 7 pour chaque camp, 7 partout, voilà. 7 partout, Nathalie ça va? Ça va, je vais survivre. Non, mais elle est extrêmement courageuse, Nathalie. Et elle va quand même, malgré la douleur qui la tenaille, nous présenter le prochain jeu, qui est un jeu de casino Alibaba. C'est quoi au juste alors, Nathalie? Et eh bien, alors c'est un jeu que l'on retrouve tous les jours sur TF1 à 18h40, présenté par Arnaud Chinois. Exact. Oui, d'accord, d'accord. Mais c'est aussi que Alibaba ce soir a envie de jouer et a envie de surtout récolter de l'argent. Alors regardez, il y aura un Alibaba par équipe sur le dos d'une mule vivante. Au top départ, ils vont s'élancer. Alors Olivier, tu vas faire la mule? Ouais, la mule. Allez, fais la mule. Allez, allez, vas-y, mon gars. Oh, il s'élance. Donc, là, ne fais pas tomber quand même. Non, non. Il s'élance ici, jusque sous la grotte. Et là, il récupère une pièce. Je la prends pas parce que sinon, je vais défavoriser une équipe. Passage. Enfin, fais attention, Olivier. Hein. Ouais. Passage sur le tapis mou. Oh là là. Des chameliers. Mais il n'y a plus personne dessous. Ah oui, personne. Attention Olivier, ne me fais pas tomber. J'ai encore une jambe valide, s'il te plaît. Pas de problème. Voilà. Oh, dites donc. Ici. Ah bah elle est lourde, je t'y mets. Elle a bien dîné, hein. Elle a bien dîné. Hein. Ici, passage. Allez la mule. Stop, allez. Stop, stop, stop. Ici. Balibaba, descends. Lâche-moi. Oui, mais là tu commences. Non mais lâche-moi, tu vas voir, tu vas m'aider. Hop là. Alibaba, descends. Tiens sa mule par le collet. Et l'emmène, ne te moque pas de moi. Pardon. Et l'emmène jusqu'ici à contresens de la tournette. La ville de Bellegarde doit mettre sa pièce dans son jackpot et la ville d'Aix-les-Bains fait de même avec le sien. Et à la fin de ce jeu, Olivier et moi récolterons les pièces et stupeur, stupeur, derrière chaque pièce, il y aura une valeur différente, ce qui fait que l'équipe qui aura rapporté le plus de pierres ne sera pas forcément celle qui gagnera ce jeu et les deux points de la victoire. C'est compris? C'est allez. Compris, c'est ouais. Compris. On va pouvoir attaquer, je ramène mes mères. Oui. Alors. Et nous allons donner le départ aux deux équipes en même temps, si j'ai bien compris. Exactement. La règle du jeu. Il y aura trois départs. Alors, est-ce que les équipes sont prêtes? Olivier, vous êtes de retour au départ. Exactement. Et vous allez pouvoir contrôler, en favorisant comme d'habitude l'une des deux équipes, le bon déroulement de l'opération. Attends. Trois départs, Jean-Pierre. Ouais. Le premier départ. 3, 2, 1, go! Allez, allez. Alibaba. Il est dans la caverne.
c'est un petit peu étroit. C'est un petit peu étroit, mais on arrive à passer quand même. C'est Bellegarde qui est en tête. C'est en effet Bellegarde qui est en tête. Allez Bellegarde. Nous sommes à égalité, les deux équipes. Rien n'est joué encore. Non, mais c'est vrai que nous souffrons, Ex, nous souffrons, je le reconnais. Mais il va y avoir la fameuse tournette qui fait bien des choses. Et les deux équipes. Oui, c'est bon pour Bellegarde. Vers leur machine, leur bon dimanche. Non, c'est pas bon pour... C'est pas bon pour Aix. Comment c'est ouais, bon c'est bon. Comment c'est pas bon pour Aix? Parce que Jean-Pierre, la pièce n'était pas dans la machine. Oui. Le départ suivant. 3, 2, 1, Nathalie, oui. Top pour le départ. Allez, on y va. Bellegarde une nouvelle fois. Aix est parti légèrement en avance. Ils seront retenus 3 secondes à la sortie du tunnel. Oui, peut-être oui, un petit peu plus de 3 secondes, oui. Moi je veux... Stop. Comment 1, 2, 3. Oui. Non. Allez Bellegarde. Moi je ne dis plus rien, moi je vais rendre mon tablier si ça continue. Non. Allez. Oh là là. Allons-y. Allez Bellegarde. Oh là là, le cheval d'Aix est tombé. Allez Bellegarde. Oui, c'est voilà. Bon pour Bellegarde. Bravo. Allez Bellegarde. Ça fait déjà 2 pièces dans la machine à sous. Reprenez vite le cheval d'Aix. Olivier, oui. Vous n'avez pas l'impression que c'est plus loin pour Aix, non? Parce que la machine est à côté quand même. Ça non. Hein. Alors, là, ça compte pas. Là, non. Ça compte pas, vous avez raison. Non. La réponse là, est très simple. Raison, ça compte pas. Je vous la donnerai à la fin du jeu, la réponse sera très simple. C'est ça, oui. Parce que vous n'avez pas trouvé encore la réponse, c'est ça? Mais non, il n'y a pas de problème, Jean-Pierre. Oui, c'est plus loin. Il y a la pièce de c'est plus Aix. Loin, et la tournette tourne toujours, et oui. C'est plus compliqué pour nous, bien entendu, puisqu'on a encore 20 mètres supplémentaires à faire. Dernier départ. 3, 2, 1, go! Allez, Bellegarde! C'est très important. Allez Bellegarde, dites-moi monsieur l'arbitre, c'est le dernier passage ça? Excusez-moi, c'est le dernier passage, oui Thierry. Alors Bellegarde, allons-y. Ah non, excusez-moi, il y a d'autres passages, j'avais pas vu les chevaux. Ah bon? Non, les chevaux n'étaient pas prêts, c'est pour ça, préparez-vous les chevaux. Ah bon. Allez Bellegarde, on y va. Aïe. On n'a plus de cheval, on n'a plus rien. Allez vite. Aïe. Non, Bellegarde. Vas-y, poussez-nous pendant le 12e. Ne vous gênez pas, poussez-nous. Aïe. Le jeton de Bellegarde sera annulé. Ah ouais, mais heureusement. Allez, dépêchez-vous, Aix. Dépêchez-vous, Aix. Voyez-vous, Olivier, là, Aix, si j'étais Bellegarde, j'aurais moins de trajet à faire. Regardez. Oui, mais... Il n'y a pas de mais. Jean-Pierre, c'est une noria. Ah, et alors? Oui, c'est une noria, comme il dit. Oui, alors, quelle est la différence, Thierry? Eh bien, c'est une noria, il vous l'a dit. Allez, quelle est la différence? Eh bien, c'est pareil pour tout le monde. Allez, Bellegarde. Allez. Oui, attention pour le cheval de Bellegarde. C'est parti pour Bellegarde, uniquement Bellegarde. Uniquement Bellegarde. Non, pas Aix. Allez. Ok. Allez, Bellegarde. Tant pis pour Aix, il faudra qu'il retourne au départ. Allez. Pour retourner Aix. Au départ. Mais non. Aix ne baisse pas la tête. Aix continue. Aix avance la tête haute. Allez, Bellegarde. Ah, c'est difficile. Allez, vite. C'est très difficile pour nous. Écoutez, on va... Notre cheval a du mal. On va ranger ce cheval d'Aix et on va en faire partir un autre. S'il vous plaît. Prêt pour Aix. Oh là là, gros ennuis du côté de Bellegarde, le cheval est-ce qu'il y a complètement un cheval capoté. Prêt oui. Si je puis me permettre, les mêmes ennuis de l'autre côté. Ça y est, un cheval d'Aix. Allez, il faut. Allez, go pour Aix, c'est bon pour Aix. Oh là là là. Oh, les deux chevaux sont les uns sur les autres. Pas de citation de Marc. Allez, go pour Aix. Oh là là là. Oh, c'est la guerre dans l'écurie. Allez, Bellegarde, on y va. Alors que tranquillement, le cheval aixois est parti sur les ordres de l'arbitre.
Oui, c'est bon, le voilà. Et c'est vrai que c'est très difficile puisqu'on manque de part et d'autre de visibilité. Je rappelle Thierry et Jean-Pierre, afin qu'il n'y ait pas de problème, il y aura un jeton de Belgarde qui sera retiré. Oui, non, mais j'espère bien. Oh là 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 là. Allez, Aix arrive. Aix va essayer de passer devant le cheval de Belgarde. Bon, Belgarde, on va changer de cheval. Très bien. Très bien. Aix est parfait. Gardez la même cadence. Aix est remarquable. Joli. Top pour Aix. Top pour Aix. Ouf. Une tête est coincée, une tête de cheval. Aïe. Allez, Belgarde, Descendez. Non, on refait un tour, Belgarde, on refait un tour. Pourquoi? Parce qu'on a été obligé, pour raison de sécurité, d'arrêter la tournette, monsieur Thierry. Parce que c'est une noria. Mais dites-moi, dans les premiers chevaux, là, lorsqu'on avait de l'avance, vous les avez pas fait partir les tout de suite, hein? Belgarde, c'est bon. Vous avez attendu. Allez, Belgarde. Non, Thierry, il faut être sportif. Tout à l'heure, on a changé un de vos candidats. Mais je suis sportif. Mais lorsque nous étions en tête au début du jeu, vous avez attendu. Chaque cheval démarrait, chaque couple de chevaux démarrait en même temps. Parce qu'on avait dit que c'était comme ça pour les trois premiers départs et qu'ensuite c'était une noria. C'était pas précisé. Si, mais vous entendez pas bien. Mais si, j'entends très bien. Ce qu'on va faire la semaine prochaine, Thierry, vous écrirez vous-même le règlement. Oui. Hein? Oui, je crois que ça sera mieux. Allez. Allez, Belgarde. Aix est à terre. Mais Aix va se relever. Allez, Belgarde, on y va. On y va, Belgarde, allez. Est-ce que vous avez des comptes, Olivier? Aix repart. Eh bien non, les comptes, on les fera à la fin, Jean-Pierre. Ah oui. Vous savez, les pièces ont un numéro chacun. Allez, Belgarde, on y va. Il y a une limite de temps et c'est le juge suprême qui pourrait nous donner la limite de temps. Allez, Belgarde, c'est très bien. C'est parfait. Allez. Oui, Belgarde. Départ suivant. Allez, Belgarde. Voilà un autre cheval de Aix et un autre reste cheval. Combien de temps? On va me le signaler dans un instant. Allez, Belgarde. C'est très important ce jeton-là. C'est le jeton qui fait gagner. Allez. Allez, il faut retourner au départ. On achève bien les chevaux. Comme vous dites, oui. Allez, Belgarde. Tranquillement, on descend. On ne s'énerve pas. Et on y va tranquillos. Voilà, allez. Oui. Allez, bravo. Oui, c'est bon, top. Allez, Belgarde. Top, c'est terminé, top. C'est terminé. Top, c'est terminé. C'est terminé. Et on compte les jetons. Allez, voilà, merci. Ah là. Messieurs, dames, les chevaux d'Aix et les chevaux de Belgarde. Je vais donc commencer par regarder pour Belgarde. Nous éliminons un jeton, nous sommes d'accord, car tout à l'heure, Thierry, j'avais prévenu tout à l'heure, il y a une demoiselle de Belgarde qui a poussé le cheval d'Aix en dehors de la tournette. Oui, enfin. Et à ce moment-là, nous avons dit on retire un jeton, tout le monde était d'accord. Écoutez, nous l'acceptons, mais c'est pas tout à fait ce qui s'est produit. Oui. La demoiselle a été déséquilibrée et a heurté le cheval d'Aix, c'est pas pareil. Oui, c'est ça, chacun peut avoir sa vue. On annule donc ce jeton. Nous regardons tout de suite le jeton prochain pour Belgarde sur le jeton. 4 points déjà. 4. 4 pour Belgarde. 4. On continue. Ensuite, 2. 6 pour Belgarde. Bien. Ensuite, bien, remarquablement compté. 8. Ah, ça se complique. 8 et 6. 8. 14 donc pour Belgarde. Le suivant. 14. 14 et 8 pour Belgarde. 22. 22. Il tombe beaucoup de jetons pour Belgarde. 22 et 1. 23. Et il n'y a plus de jetons pour Belgarde. C'est le total de Belgarde. 22. Maintenant pour Aix. Nous avons dit 22. 3. Voilà. 22. Non, vous venez de dire 22, c'est 22. Non. Le total, c'était 23. N'essayez pas. On est d'accord. 23 pour Belgarde. Il y a 10 pour Aix. Combien? 10. Pour 10. Waouh. Il y a maintenant 8. 18. Pour Aix. Il y a maintenant 4. 22. 22. Pour Aix. Et il n'y a plus de jetons. Et voilà.
mais ça n'est pas terminé. Oh non, tout est possible. Tout est possible. Ça n'est pas terminé. Dans un instant, nous allons demander aux équipes de participer à un ventre-église. Mais auparavant, je vais demander au public et à vous qui suivez l'émission en direct sur TF1 de tirer un coup de chapeau aux équipes qu'on ne voit pas et qui travaillent, je dirais presque jour et nuit, pour fabriquer les décors et les costumes d'Interville. Et on va les faire, regardez, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure, les poissons, les vachettes, la truite, le chien remarquable. Regardez, le travail, voilà ce qui est fait, ce qui était fait hier soir, jusque tard dans la nuit, des artistes, des sculpteurs qui, avec de la mousse, avec du rotin, sculptent, piquent, coupent, peignent. Je vais vous demander d'applaudir très très fort toute cette équipe d'artistes qui travaillent dans l'ombre. Ils travaillent jour et nuit. Hein. Ils travaillent jour et nuit et qui font des décors d'un soir, la voiture de tout à l'heure, regardez-la. Elle est entoilée, là, hein, n'est-ce pas? Elle est entoilée. On essaye de lui mettre des roulettes, on décide que non, etc. Les chevaux qui sont là, les truites, c'est que nous avons vu tout à l'heure. Et Alibaba. Et Alibaba. Et puis tout ça est fait. Regardez le bateau, tout ça est fait. Le décor du tunnel qu'on a vu tout à l'heure dans l'arène. C'est ce sont de véritables artistes. Et chaque fois, eh bien, tout ça est déménagé, transporté dans la ville qui suit. La semaine prochaine, ce sera Épinal. Et tous ces gens-là travaillent pour que le spectacle soit de qualité. Merci, et bravo à tous. J'aimerais qu'on les applaudisse très fort, s'il vous plaît. Oui, oui. Et puis écoutez-moi, je voudrais aussi joindre à tous ces décorateurs, tous ces artistes, tous ceux qui font qu'Interville est Interville et qui travaillent 24 heures sur 24, pratiquement pendant 8 jours, pour vous donner le spectacle que vous avez ce soir. Applaudissez-les tous, car ce sont eux qui font Interville. Avec les équipes municipales, bien entendu, exactement, de chacune des villes participantes. Exactement, et je crois qu'on peut leur faire une ovation. On peut les applaudir, on leur fait une ovation. Merci à vous tous et à vous toutes. Fil rouge, résultat. Fil rouge, on va l'arrêter. Résultat. C'est terminé, top, top. Dommage pour toi parce que tu avais ramené un poisson, mais c'est top, tu peux le lâcher, tu peux aller tracer la bouche. Et on va tout de suite faire le décompte pour les deux villes. Alors nous avons ici, pour Bellegarde, 58 truites. Et attention, attention, à la gauche de la table, pour Aix-les-Bains, il y en a 61. Ce qui fait que c'est la ville de Aix-les-Bains qui remporte ce point du fil rouge. Alors Olivier, je ne sais pas où tu es. Je suis au ventre église, mais je t'ai entendu, Nathalie, tu étais le juge de paix du fil rouge, un point de plus pour Aix. Le score est maintenant de 9 pour Bellegarde, qui garde la tête, et 8 pour Aix-les-Bains. Voilà. Ventre-église maintenant, Thierry, vous y... pas Thierry, mais Olivier, vous y êtes. Effectivement. Au ventre-église pour un point supplémentaire. Effectivement, allez, un point supplémentaire, peut-être l'égalisation pour vous d'ailleurs, Jean-Pierre, pour Aix. En revanche, peut-être une petite échappée pour Bellegarde. Vous le savez, trois départs, on commence par les adultes, ensuite les enfants. Vous êtes d'Aix. Ouais. Eh bien, c'est à vous de jouer, monsieur. Bonne chance. Eh bien, on vous souhaite bonne chance et on vous dit même le célèbre mot de Cambronne. Allons-y, premier ventre-église pour Aix, allons-y. Aix-les-Bains. 3, 2, 1, go! Se jette. Oui! Pas mal. Ah oui, il est beau. Oh, il est très beau. Il est beau. Merci Thierry de le reconnaître. Oh, il est magnifique. Écoutez, nous le mesurons. Il est pas loin du record, hein. Eh oui, pas loin du record. Nous le mesurerons tout à l'heure. Bravo, jeune homme. Attention maintenant, le départ pour Bellegarde. 3, 2, 1, go! Allez, Bellegarde, il y a un bon défi à relever. C'est pour nous, oui, c'est pour Aix. La première manche pour Aix. Première manche pour Aix. Le départ maintenant des enfants. 3, 2, 1, go! Oui. Merci. Merci. Peut-être que comme tout à l'heure, les enfants vont faire gagner Bellegarde. Allons savoir, Nathalie. Allez. Comment tu t'appelles? Vincent. Vincent, allez, c'est à toi. Vas-y, Vincent, fonce. Allez, Vincent. Allez, Vincent, Bellegarde compte sur toi. Allez, 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 encore un peu, encore un peu. Ah. Ouais, il est bon. Il est bon pour Bellegarde. Il est bon. Oh, de peu. C'est. De peu, c'est, de peu. Il est bon. Mais non, non, il est très bon, je vais vous expliquer pourquoi. Normalement, je prends le bout des mains, et là, le jeune homme, c'est ça, qui s'appelle Vincent. Vincent. Vincent, de Bellegarde, qu'on peut applaudir, a mis une main supplémentaire.
Alors j'ai avec moi une petite fille d'Aix-les-Bains, comment t'appelles-tu? Karine. Karine, allez Karine, il va falloir tout pour ça. Alors tout dépend de Karine et de son adversaire. Top pour Karine, allez vas-y. Pour Aix-les-Bains, tout de suite. Oh là là. C'est un mauvais appel du pied. Voilà. Allez. Voilà Karine, alors peut-être. Belgarde, que... comment s'appelle la demoiselle? Comment t'appelles-tu? Nadia. Vladia. Allez, pour Nadia. Belgarde. Nadia, tu étais émue? Non. Non, pas du tout. Alors Nadia, vas-y, fonce dans la victoire peut-être. Allez, allez Nadia, il faut me battre ça. Allez, 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 allez. Ouais. 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 Bravo Nadia. Voilà, c'est Nadia. Bravo, je reconnais vos mérites et vos talents. Et vous reconnaissez la valeur de la jeunesse de Belgarde sur Valserine. Un point de plus donc, grâce à Nadia, pour Belgarde, qui s'éloigne un petit peu le score, et maintenant de 10 pour Belgarde, et 8 pour Aix-les-Bains. Mais dans un instant, le jeu des questions, dans un instant, le jeu des questions, mais avant de nous retrouver avec les deux maires et les personnes qui vont aider les premiers magistrats des deux communes à répondre à ces questions, sachez que la semaine prochaine, nous serons à Épinal. Si vous voulez des renseignements pour participer à Interville à Épinal, vous n'hésitez pas à appeler dès demain matin à la première heure l'office du tourisme au numéro qui s'inscrit maintenant 03 29 82 53 32 03 29 82 53 32 Interville Épinal, l'office du tourisme pour tout renseignement concernant l'émission de la semaine prochaine. Dans un petit instant, les derniers points avec les questions, ce sera la dernière partie d'Interville ici à Aix-les-Bains. À tout de suite. Thierry, au moins, ça me donne l'expectative, puisque... Oui, parce que tout est encore possible. Tout est encore possible. Vraiment. Olivier, rappelle des scores, s'il vous plaît. Il y a le score, je suis avec Nathalie, il y a 10 pour Belgarde, 8 pour Aix, et Nathalie va de mieux en mieux, j'ai l'impression. Ça va? Oui, ça va, surtout depuis que tu t'es occupé de moi. Merci, Olivier. File là-haut, s'il te plaît. Allez, je grimpe. Et je vais en profiter pour vous présenter, merci de me retenir, les candidats de ce dernier défi. Tu sais que ça peut rapporter un point à ta vie, c'est important. Comment t'appelles-tu? Nourdine. Yourine. Nourdine. Yourdine, pardon. Et tu défends les couleurs de Belgarde. Belgarde, oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis gymnaste, je fais de la gymnastique avec les EVB de Belgarde. Ah, c'est pour ça que tu as de la magnésie sur les mains. Exactement. Ah, c'est pour empêcher que ça ne glisse sur la barre. C'est assez technique. Tu vas m'accompagner jusqu'à ton camarade. Voilà, merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles, toi? Vivien Langlais, moi. Vivien, oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant à l'école des pupilles de l'air. Je suis partie de la promotion 48, que je salue par ailleurs. Voilà, le message est passé. Tu défends les couleurs d'Aix-les-Bains. Je suppose que tu es sportif aussi? Oui. Ouais, 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 ouais. Alors, je vous rappelle, messieurs, qu'il y a un record qui est de 25 secondes, que vous ne devez pas vous aider des jambes. Vous vous mettez en place, s'il vous plaît, car Olivier a fait un avertissement. Regardez comme ce sport sanctionne et vous disqualifiera si vous vous aidez des genoux. Alors, en place, messieurs. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, allez Nourdine. Levez bien les jambes. Allez, allez, allez Nourdine, il a un petit peu de retard. Allez, mais ça va s'arranger. Allez, attention, on continue. Allez Nourdine. Allez, allez, attention. Encore. Allez, il revient, il faut bagarrer Nourdine. C'est Aix qui reprend tranquillement la tête. Il a repris la tête. À deux crans de distance. Croisez les jambes Aix. Croisez les jambes Fabien. On croise allez. Les jambes Aix, bien entendu. Allez Nourdine, aïe, aïe, aïe. Reste où tu es, Aix. Aix, attends, attends, le chrono, on joue le chrono, le point pour nous. Ne quel prends dommage. Pas de risque. On peut arrêter pas Jean-Pierre. De risque. On arrête. On peut arrêter on a Jean-Pierre. Gagné. Et, oui. Et merci. Il y a donc un point de plus pour Aix. Le score se resserre. 10 pour Belgarde, mais maintenant 9 pour Aix. Et vous qui nous regardez, j'aimerais vous rappeler que le trophée du meilleur grimpeur de ce défi sera remis eh bien, par TF1 et grâce à notre partenaire lors de la finale, tout début septembre. Et également, vous qui nous regardez, vous savez que grâce à vous et grâce à Interville, 1500 enfants de l'association Cher au cœur de Guilux, pas d'enfants sans vacances, seront lundi 21 juillet de cette année, donc la semaine prochaine, au camp des loges, à la fête des loges, eh bien, à Saint-Germain,
pour faire des manèges. Je remercie d'ailleurs tous les forains de cette grande fête. Et puis je suis au bas du défi avec Nordine. Alors quel dommage, tu avais de la magnésie sur les mains et c'est toi qui as lâché la barre. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai glissé, il n'y avait plus de magnésie, puis avec la transpiration. C'est incroyable ça, c'est le comble du gymnaste. Exactement. Et grâce à la ville d'Aix-les-Bains qui a, ou de Bellegarde. De quoi? De Bellegarde. Oui, qui a remporté le plus de défis. Quelle est la ville Bellegarde qui a remporté le plus de défis? C'est Bellegarde. Eh bien, grâce à la ville de Bellegarde, les supermarchés Stock remettent cette semaine encore un chèque de 10 000 francs à l'association Pas d'enfance en vacances. Ah oui. Ça va faire un total quand même de 100 000 francs à la fin de l'été. C'est pas mal. C'est super. Bravo à Bellegarde et merci à l'association. On y va? Tu me portes? On va tout de suite aller retrouver Thierry et Jean-Pierre. Tout de suite s'occupent. Pour le résultat du jeu des films. Ah oui. Si, important, ça fait un point. Si X l'emporte, nous serions à égalité. Donc c'est très important. Souvenez-vous, la semaine dernière déjà, nous étions à égalité en fin de parcours. Mais là, il va rester le jeu des questions. Aix-les-Bains a reçu 9275 appels. Ce qui est bien. Ce qui est très bien. Bellegarde, 7212 appels. Pierre-Henri, tu viens de gagner un récepteur de poche et un petit animal virtuel. Et vous aussi, tout l'été, si vous voulez gagner des cadeaux, vous jouez sur le Minitel 3615 code TF1 ou vous téléphonez au 08 36 68 18 08. Je dis bien 08 36 68 18 08. Mon cher Olivier. Ouais. Et comme il n'y avait pas grand-chose entre les deux films, je crois qu'il faut récompenser aussi Thibaut. Tiens, toi aussi, tu gagnes un petit animal virtuel parce que ton film était très beau aussi, même s'il n'a pas obtenu le plus grand nombre de voix ce soir, Thibaut. Alors, écoutez, c'est incroyable. C'est la première fois, encore une fois, qu'il arrive ce qui vient de se passer. 10 à 10, c'est le score avant les questions. Alors, qui commence? Jean-Pierre, on est fair play. Tout d'abord, nous allons essayer d'avoir, on va réfléchir au problème d'avoir notre gagnante au téléphone ou notre gagnant de la date de naissance. Est-ce que Stéphanie, qui habite le département du Var, est au téléphone? Stéphanie, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Quel âge as-tu, Stéphanie? 13 ans. 13 ans. Tu nous rappelles ta date de naissance, s'il te plaît? 30-12-83. Oui. Et tu habites quelle ville dans le Var? Signe. Signe, Stéphanie Codiou. Tu viens de gagner 30 000 francs. Félicitations, puisque c'est bien ta date de naissance qui est sortie et tu as été la première à téléphoner. Félicitations grâce à notre partenaire. Nous allons maintenant, Olivier, procéder au tirage au sort. Allez-y, si vous voulez bien. Allons-y. Qui permettra à l'un ou l'une d'entre vous de gagner ces 30 000 francs également offerts par notre partenaire. Et pour participer au tirage, alors qui est le nom du gagnant qui, grâce à toi Stéphanie, va gagner aussi? Voilà. Merci beaucoup. Il s'agit de Marilyn L'Enfant qui habite Bocan-Ligny dans le Nord. Marilyn L'Enfant gagne également 30 000 francs. Pour participer à ce tirage, vous découpez dès maintenant le bulletin dans le magazine Télé Loisirs ou vous le recopiez sur papier libre et vous l'envoyez avant samedi minuit à cette adresse maintenant qui s'inscrit. Voilà. Et j'espère que comme vous et comme Nathalie, vous pourrez, et comme Stéphanie, vous pourrez gagner ces 30 000 francs bien mérités. Alors, qui commence? Eh bien, écoutez, je pense que le fair play étant de soi ce soir, je pense que les visiteurs pourraient commencer. Bonne idée. N'est-ce pas? Merci beaucoup. À vous. Cette parole vous honore, mon cher arbitre, et cette parole vous honore, monsieur Jean-Pierre Foucault, et nous vous en remercions. Merci beaucoup. Il était temps, c'est la fin de l'émission, que vous soyez agréable avec moi. Allons-y. Monsieur le maire, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous présenter vos trois intellectuels? Très volontiers. Le premier, monsieur Charles Miaza, qui est décorateur. Monsieur Camille Meleghini, directeur de collège. Et enfin, Patrick Guénard, directeur d'école. Alors, monsieur le maire, vous avez le choix entre quatre thèmes: histoire géo, actualité contemporaine, art et spectacle ou sport. Qu'est-ce que vous choisissez? Histoire et géographie. Histoire et géographie, vous avez le choix entre 1 et 3 points. 3 points. 3 points. Histoire, géo. Quelle enveloppe? Quelle enveloppe? La une. La une. La une, 3 points. Attention, je surveille. Je fais très attention. Écoutez-moi bien, messieurs, c'est la première question. Cette interview se joue là, ici. Le 12 juillet 1794, le célèbre amiral anglais Nelson perdit l'usage de l'œil droit lors d'un assaut particulièrement violent. Quelle ville assiégeait-il? Assiégeait-il Calvi? Assiégeait-il Toulon? Assiégeait-il Bastia? Ou assiégeait-il Cadix?
On ne souffle pas dans le public, s'il vous plaît, car ce serait la sortie. Ah oui, non, on ne souffle absolument pas. C'est Et important. Là, on se consulte, c'est très important. Nelson, l'œil droit, Calvi, Toulon, Bastia, Cadix. Alors, quelle est votre réponse, monsieur le maire? Calvi. Calvi, et c'est la bonne réponse! Vous avez pris combien de points? 3 points. Eh bien, donc il y a 3 points supplémentaires pour Bellegarde, 13 maintenant pour Bellegarde, 10 pour Aix, et Jean-Pierre, c'est à vous. Monsieur le maire, monsieur Grosjean, voulez-vous nous présenter les 3 personnes qui vont défendre Aix-les-Bains? Oui, Françoise Guichon, apicultrice, monsieur Nonglaton, journaliste, et monsieur André Attard, directeur du musée d'Aix-les-Bains. Bien. Quelle est la catégorie que vous prenez? C'est très important. On a combien de points, pardon? On a combien de points? Vous me demandez, vous avez 10. Non, on a 10 et... Ils ont 13. 13. Ils ont 13. Donc on prend 3. Oui, bien sûr, 3. Quelle catégorie choisissez-vous? Art et spectacle. Art et spectacle. Enveloppe 1 ou 2? Enveloppe 1 ou 2? Une. Très bien. Une, voilà. Art et spectacle, enveloppe 1, voici la question. Merci. Charlie Chaplin a composé la plupart des musiques de ses films. Mais il est assez rare de l'entendre chanter. Alors, vous souvenez-vous dans quel film on peut l'entendre chanter le célèbre « Je cherche après Titine » dans un langage complètement incompréhensible? Les lumières de la ville, un roi à New York, les feux de la rampe ou les temps modernes? Je cherche après Titine, les lumières de la ville, un roi à New York, les feux de la rampe, les temps modernes. Il ne reste 12 secondes, sauf si vous décidez, monsieur le maire, de répondre maintenant. Les lumières de la ville. Les lumières de la ville. Et non. Et... Jean-Pierre, malheureusement pour Aix, les bains, nous retirons 3 points au total qui étaient de 10. Je donne l'explication. Il s'agissait des temps modernes. C'est un film sonore dans lequel Charlot ne prononce aucune parole. Il chante simplement « Je cherche après Titine » sans prononcer aucune phrase compréhensible, aucun mot compréhensible. C'était bien les temps modernes qu'il fallait répondre. La situation est difficile pour nous. On continue. Oui. On essaie de se rétablir. 3 points encore. 3 points toujours. Quelle catégorie? Toujours art et spectacle. Et l'enveloppe numéro 2. Alors le score est donc, Jean-Pierre, de 13 pour Bellegarde, 7 maintenant pour Aix-les-Bains. 13 à 7 pour Aix-les-Bains. Voici la question. Quel... S'il vous plaît. Quel S'il vous plaît, Bellegarde. Un peu de sportivité. Quel compositeur russe est mort le même jour que Staline, ce qui a fait passer son décès presque inaperçu en Russie? Prokofiev, Tchaïkovski, Rachmaninov, Stravinsky. Quel compositeur est mort le même jour que Staline? Prokofiev, Tchaïkovski, Rachmaninov, Stravinsky. Secondes. 3, 2, 1. Top. Monsieur le maire, monsieur Grosjean. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Monsieur le maire, s'il vous plaît. C'est maintenant. Rachmaninov. Rachmaninov. Regardons, c'était Prokofiev. Et c'est bon. Alors, 3 points de moins pour Aix. Le score est maintenant de 13 pour Bellegarde. 4 pour Aix-les-Bains. Et attention pour Bellegarde. Thierry. C'est vous, Thierry. Alors, écoutez-moi. Finissez en beauté. Vous pouvez nous dire quel est le score? 13 pour vous, 4 pour Aix-les-Bains. Si vous choisissez 3 points, vous pouvez jouer la finale. Parce que pour l'instant, le deuxième en finale est 14 points. Alors, c'est vrai, c'est très important. Le score à battre. Bon, les 22 points du Puy du Fou sont inaccessibles. Mais si vous choisissez 3 points... 14, ça ferait 17. Non, vous avez 13. 13, ça ferait 16. 3 points, ça ferait 16, alors que pour l'instant, Nice et Menton... Et de toute façon, vous ne risquez rien. On peut jouer pour la finale. Hein. Alors, 3 points. 3 points. 3 points, bien joué. Belle sportivité. Et alors, vous avez le choix. Histoire géo, actualité contemporaine, art et spectacle ou sport? Il n'y a plus art et spectacle. Il n'y a plus d'art et spectacle. Alors, histoire géo, actualité contemporaine, sport? On prend histoire et géographie. Histoire géo. Et vous prenez 3 points. Il ne reste qu'une enveloppe. Il ne reste qu'une enveloppe.
Donc, la question va être toute simple à donner. Je vous la donne. Hatshepsut. Hatshepsut. Vous êtes malade ? Hatshepsut. Hatshepsut. Hatshepsut était la fille de Thoutmosis Ier. Oui. À la mort de son père, elle épouse son demi-frère, comme il était coutume en Égypte. Elle restera dans l'histoire comme la seule femme à obtenir tous les pouvoirs d'un pharaon. Comment se faisait-elle représenter ? Avait-elle une fausse barbe ? Avait-elle une tête d'aigle ? Avait-elle deux ailes ? Ou avait-elle deux oreilles pointues ? Réfléchissez bien, peut-être qu'une place en finale se joue. En effet. Place en finale, si vous arrivez à combien de points, si c'est bon. 16. Oh là là, oui, oui, place. Fausse barbe, tête d'aigle, deux ailes ou deux oreilles pointues. Vous avez déjà la réponse ? Oui. Et alors ? Une fausse barbe. Et c'est la bonne réponse ! C'est la bonne réponse ! Eh bien, Thierry, 3 points de plus pour Bellegarde. 3 points de plus, 16 pour Bellegarde, 4 pour Aix, et peut-être la finale, Jean-Pierre. Le maire d'Aix-les-Bains, monsieur Grosjean, applaudit et félicite Bravo, son monsieur collègue. Le maire. Très le bon maire. Choix. De Bellegarde. Bravo, mon cher Thierry. Mais vous en êtes un autre, mon cher Jean-Pierre. La semaine prochaine, Épinal affrontera Saint-Dié avec les supermarchés Stock. Nous continuerons à aider l'association Pas d'enfants sans vacances et vous pourrez gagner 60 000 francs offerts par le magazine Télé Loisirs. Nathalie, nous vous souhaitons un rapide rétablissement. Merci, merci. Et il faut que vous soyez en pleine forme à Épinal la semaine prochaine, Nathalie. Je le serai, je vous le promets. On va la chouchouter, va. Merci à toutes et à tous. Très bonne fin de soirée sur TF1 et à mercredi depuis Épinal. Au revoir. Merci, Aix-les-Bains. Au revoir. Salut. Salut. Salut.